Bonjour à tous et bienvenue dans le 15e épisode de l'école des fanboys. Alors, comme vous avez pu le constater, on était absent au mois de mai, mais pour cause, en fait, on va revenir aujourd'hui sur trois événements qui se sont déroulés ces dernières semaines, à savoir la Google I/O, le Salon InnoRobot à Paris et le Computex à Taïwan qui a encore lieu en ce moment, ce qui explique qu'on enregistre là en début juin. Mais pour se rattraper, eh bien, on fera une deuxième émission en juin. Pour la WWDC pardon, d'Apple et pour un autre événement, on regarde le suspense, on n'en parlera pas, mais ça nous permettra d'aborder un segment qu'on n'a encore pas évoqué dans l'école des fanboys ou très peu. Mais ça sera pour la fin du mois. Et puis une émission un peu exceptionnelle aussi, puisque aujourd'hui nous avons non pas un, mais une invitée, et je vous ai trouvé une petite pépite qui s'appelle Barbara Prose. Bonjour Barbara, comment tu vas? Ben, ça va bien, merci. Merci de m'avoir invité à l'émission, c'est super. Bah écoute, en fait, c'est d'autant plus normal qu'en fait, tu as couvert aussi bien la Google I/O que InnoRobot pour Metro News, l'un des nombreux médias pour lesquels tu collabores. Donc, on va te présenter un petit peu pour ceux qui nous regardent, parce que forcément, ils ne te connaissent pas. Donc, comme je disais, tu as quand même déjà travaillé dans pas mal de médias, notamment, je crois que tu as débuté à La Voix du Nord, tu as monté des reportages en tant que GRI pour la chaîne Animaux. Tu Tout à étais fait. rédactrice en chef du site objetsconnecté.com. Ouais. Tu as collaboré pour Frandroid, pour le Geek C'est Chic, pour Android MT, un site que Mathieu a bien connu. Puis là, tu as intégré le groupe TF1 où tu es donc pigiste pour MyTF1 News et également donc en charge du secteur culture, people et high-tech chez Metro News. Et je crois que tu es également en train actuellement de réaliser un documentaire en long métrage, c'est bien ça? Oui, ça fait un peu peur, tout mis à la suite, mais oui, c'est à peu près ça. Oui, j'ai fait de la presse écrite, j'ai une formation de JRI, j'ai travaillé sur des reportages pour Nintendo. T'as pas cité Nintendo, mais j'ai Ah oui, suivi effectivement, Nintendo, le c'est vrai. lancement de Pokémon X et Y avec Nintendo. Et là, en ce moment, pigiste, donc oui, forcément, il y a beaucoup de choses, mais j'essaie de me concentrer sur le high-tech en ce moment, voilà. D'accord. Donc, comme j'ai dit, tu es également donc rédactrice pour Android MT et Android MT. Ça nous rappelle bien évidemment notre ami Mathieu Dos Santos, qui est officier pendant longtemps chez Android MT également. Salut Mathieu, comment tu vas? Salut, salut tout le monde. Et bah écoutez, ça va nickel. Content de voir que MT a embauché quelqu'un de plus mignon que moi, ou plus mignonne, j'ai envie de dire, même que moi. Par la suite, palmarès plutôt impressionnant pour Barbara, bienvenue. Moi je me prépare pour l'Euro, j'espère que le Portugal entamera son palmarès aussi, ça serait bien, on l'attend depuis un petit Ouais. moment. Et tu sais, moi, Et je sais ce que c'est que d'être champion d'Europe, hein, tu vois. oui, j'ai l'impression que oui, toi tu fais autre chose, oui. Mais Voilà. il y a des Portugais, donc je t'aime bien C'est vrai. aussi, c'est pas grave. C'est Et d'ailleurs puis lui bah qui a marqué sinon. le penalty de la victoire, donc merci à lui. Voilà, exactement. Et puis comme j'ai mon petit maillot de portugais, je balancerai pas tout le monde pour avoir validé l'intégration de Barbara pour cet épisode juste parce que c'était une fille. Mais ça, c'est mon côté macho qui parle. Tu te sous-estimes en disant que je suis plus mignonne que toi, Mathieu. T'as tout ce Oh. qu'il faut. Voilà. J'ai au moins le maillot. Voilà, tout à fait. Et donc maintenant, on va continuer la suite des présentations et se tourner vers notre ami Julien Debris, le monteur de cette émission. Salut Julien, comment tu vas? Bon, écoute, ça va bien. On se prépare aussi pour l'Euro, mais l'équipe de France. En tout cas, t'as l'air d'aller mieux que Microsoft. Ça qui est bien. Oui. Ce qui est pas dur aussi en ce moment. Tu Ouais. l'attrapes. Ils sont Ben pas ça, on en durs. parlera à la fin de l'émission. De toute façon, on va en dire un petit mot de la division mobile de Microsoft. Ils rendent hommage à la France. Ils coulent. Voilà. Oui, à ce propos, ça va? T'as pas les pieds dans l'eau? Non, c'est bon? Mais moi, je suis en haut. Je suis tout en haut d'ici, Mouno. Donc, voilà. Ouais. D'accord, donc ça va, t'es relativement épargné. Oui, je crains rien, c'est bon. Voilà. Il y en a un qui est épargné par la pluie, enfin surtout par les grèves, puisqu'il est en Suisse. Celui qui héberge cette émission, notre ami Sébastien Perrier, Mister Perrier sur YouTube. Salut Seb, ça va? Mais bonsoir les amis. On a accueilli votre président français avec Angela Merkel qui a visité notre long tunnel là. Et j'espère qu'il a visité tous les tunnels. Bah écoute, ça, je sais pas, j'ai pas suivi, je t'avoue franchement. Mais vous m'avez bien eu, moi, il dit ce soir il y aura une meuf, mais chez nous on dit pas une meuf, hein. Non, non, on n'a jamais dit ça. C'est sûr? Mais il dit il y aura une meuf, Non, 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 non. Pas nous, c'est pas le truc de bazar. qu'est-ce qui fait Bon, ça? ceci étant, on va maintenant se plonger quand même dans cet épisode 15 de l'école des fanboys et on va commencer par donc la Google I/O. Donc, avant qu'on interroge un petit peu
Mathieu et puis Barbara qui se sont penchés sur le sujet. Je voudrais demander aussi à Julien et à Sébastien si vous avez suivi la Google I.O. Par exemple, le Julien, tu as regardé ou... T'en as encore. Écoute, oui. J'étais lancé par la petite vidéo d'intro qui était bien sympathique. Et du coup, je me suis dit, oh tiens, je vais regarder. Je suis dormi, j'avoue. Donc, du coup, je suis allé lire le résumé. Il faut rappeler que c'est quand même une conf de développeurs et que donc, c'est pour les développeurs. Quoi. D'accord. Mais tu as trouvé des choses qui t'intéressaient ? Oui, mais on s'attendait à... Enfin, il n'y a pas eu de surprise, honnêtement. On est sur les axes de développement qui sont prévus. Tout était logique. Voilà, c'était bien, mais il n'y a pas de surprise. Mais ça, bon, c'est le problème récurrent de toutes les annonces ces derniers temps. D'accord. Et toi, Sébastien, est-ce que tu as regardé ? Est-ce que tu t'es renseigné par après ? D'accord, oui. Ah oui. Oui, non, j'ai regardé les extraits après, mais ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est de choisir le nom d'Android. Ouais. Et je vote pour Nouille, moi. Android, Nouille. Nouille. Comme ça, on reste vraiment dans la nourriture. Et puis, ça rappelle un petit peu Samsung, parce qu'ils ont commencé dans les nouilles, Samsung. Alors donc, ça tombe bien parce qu'Android N, ça va être le premier sujet qu'on va aborder. Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire d'Android N ? Alors, bah écoute, au niveau de la Google I.O., on n'a pas appris grand-chose, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été dévoilées. Il faut savoir qu'il y a la développeur preview qui est déjà disponible sur les Nexus, d'ailleurs j'en ai un. Et que du coup, à part finalement le fait qu'ils ne se sont pas mouillés pour le nom cette année et qu'ils proposent justement de faire du crowdsourcing, c'est-à-dire une plateforme où les gens vont pouvoir essayer de proposer un nom, il n'y a pas eu vraiment grand-chose, si ce n'est que, franchement, non, j'ai même pas noté grand-chose. J'ai noté, je crois, des choses qui sont apparues sur Android N, mais qui existaient déjà sur iOS depuis longtemps, me semble-t-il, Sébastien. Ouais, les notifications là que tu peux, ça fait longtemps ça, c'est depuis iOS 8. Hein. D'accord. Bah c'est ce qu'on a, on avait ça depuis un petit moment, mais tu sais les widgets aussi c'est pareil, il me semble que vous avez intégré ça très longtemps après nous quoi. Les quoi? Les petits widgets, tu sais ceux que tu peux pas mettre encore où tu veux, ceux qu'on te met dans un endroit particulier. Ceux qui marchent bien sur les ordinateurs là. Mais sur Android ça marche bien et puis je vois que sur iOS ils ont trouvé ça sympa, ils ont décidé de la rajouter. Puis vous groupez les notifications maintenant par... Ouais. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est sympa. Effectivement, c'est sympa. Mais c'est comme vous. Un petit peu d'ordre dans le désordre, hein, comme on dit. Exactement. Mais bientôt vous aurez un lanceur d'application, t'inquiète pas, tu vois. C'est quoi le mode nuit là ? Apparemment ils ont plutôt tendance à vouloir l'enlever sur Android, donc ça m'étonnerait que tu... Mais non, c'est pas vrai ça, c'était une rumeur. Truc de chinois, c'est fou. Le mode nuit, là. Si tu veux, voilà quoi. Voilà. Et puis le mode nuit, vous m'écoutez, bordel de merde ? Le mode nuit, hein ? Pour maman, ouais. Hein ? Quand elle veut regarder, quand elle se lire un petit livre sur sa tablette. Mais t'inquiète, la WDC, elle arrive. T'inquiète pas, on va voir ce que vous avez été pioché, vous, de votre côté. Je sens qu'on va se marrer aussi. Donc, on va se tourner également maintenant vers toi, Barbara, qui a donc suivi cette Google I.O. pour Metro News, pour qui, d'ailleurs, tu as rédigé un très bel article. Android N, t'en as retenu quoi ? Pour Metro News, j'écris surtout des articles high-tech grand public, je t'avoue. Du coup, je vais vraiment choisir les choses qui sont... très grand public. Non, surtout pas de spec, de choses comme ça. Donc là, pour Android N, j'ai soulevé le fait qu'il y avait la possibilité de participer à l'élaboration du nom, essentiellement. Et après, j'en ai retenu la personnalisation des emojis, le mode multi-fenêtre. Bon, ça, on l'a sur certaines surcouches de smartphones, donc c'est pas hyper nouveau non plus. Et l'optimisation de l'autonomie de la vitesse. Mais bon, voilà, ça, c'est pareil, je suis pas rentrée trop dans les détails. Mais par contre, côté, il y a un truc qui m'a bien plu, c'est le côté instant apps en fait, avec la possibilité d'avoir un petit aperçu des applications et du coup d'avoir une promotion de ces applis payantes en ayant la possibilité de consulter un peu les contenus en avance quoi. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Ouais, moi je t'avoue que sur cette Google I.O. c'était une des annonces que j'ai préférée. Mathieu, tu peux nous en dire quoi d'instant app?
Bah écoute, le concept il est plutôt séduisant comme ça, puisque quand on regarde en général la majorité de nos smartphones, on a tendance à avoir 1 milliard d'applications. Et en fait, je me souviens que quand tu parles à quelqu'un qui n'est pas spécialement technophile, il voit toutes tes applis, il a déjà mal au crâne pour toi. Et à un moment, il en prend une au hasard et te la montre, il dit, celle-là, ça fait quoi? Toi, tu es là, tu dis, ouais, bah, des fois, ça me permet de faire un truc, genre, mais le truc que tu utilises une fois tous les 6 mois, tu vois. Et Instant App, c'est un peu la réponse à cet engorgement d'applications qu'on a de plus en plus et qui grignotent de plus en plus la mémoire interne des smartphones, notamment chez Android. On sait qu'il y a des fabricants qui proposent des smartphones avec des toutes petites mémoires. Et du coup, bah, ça permet de pouvoir simuler, entre guillemets, ça stream un peu, ça fait du streaming d'applications sur certains services. Je vais prendre un exemple au hasard. Tu fais tes achats sur Amazon, mais tu en fais rarement. Et du coup, bah, tu te mets sur Amazon et il va se lancer une machine virtuelle qui va te streamer l'application pour que tu puisses faire ton achat comme si tu étais sur l'application en fait. Ça va simuler comme si tu avais l'application sur ton smartphone pour certaines choses. Alors, ça ne fait pas tout, mais ça va simuler une partie, genre ton achat, la mise dans le panier, la validation et tout ça. Et du coup, c'est vraiment plus ergonomique que de se diriger vers la version web du site, quoi. Voilà, Donc, c'est et assez donc séduisant comme ça. pour être clair, par contre, ça n'installe pas l'application. Ça n'installe pas Ah, l'application. le gain, il est là, quoi. Voilà, exactement. Ouais, puis D'accord. tu peux même dépenser de l'argent dans l'application sans avoir à l'installer. Si jamais il y a une option qui t'intéresse, Voilà. tu peux acheter une partie des contenus et t'as pas besoin de l'installer. Ouais, non, mais Voilà. moi j'ai trouvé que l'idée était assez intéressante. Donc, dans cette Google I/O, qui est une conférence, on le rappelle, pour les développeurs, mais dans laquelle Google présente souvent, quand même, malgré tout, un petit peu de hardware. Et c'était le cas encore cette année, puisqu'ils ont présenté Google Home. Mathieu, est-ce que tu peux nous présenter Google Home? Bah, Google Home, c'est un peu en ce Un moment le Chromecast phénomène avec de un haut-parleur, tendance. un micro, et puis une boîte autour, en fait. Oui, mais Amazon après, Echo. de manière la plus simpliste, c'est ça. Mais au final, ça répond un peu à une espèce de tendance qu'il y a aux États-Unis, qui a été notamment lancée par Amazon avec Amazon Echo, Voilà. qui est le fait de t'offrir un assistant qui ne Une sera sorte de pas. majordome. Voilà, une espèce de majordome qui va répondre à certains besoins, mais qui ne sera pas forcément sur ton smartphone, qui sera justement sur ce petit hardware et qui va te permettre d'interagir non seulement avec tes objets connectés. On peut penser à la domotique, hein, un domaine auquel Teddy, tu crois énormément. Ça peut également interagir aussi avec, par exemple, ici Google Home, avec ton Chromecast. Pour diffuser des vidéos, du son, sans que tu aies besoin de sortir ton téléphone et de lancer un stream. Et ça permet aussi de retrouver tout l'univers de Google Now. Et j'ai envie de dire, une des annonces qui est très très importante aussi à cette Google I/O, c'était Google Assistant. Voilà. Donc Google Assistant, qui est un peu le Google Now 2.0, sera intégré dedans et va pouvoir interagir, que ce soit de manière purement web ou applicatif, mais également sur le hardware type la domotique, comme je le disais. Exactement, oui. Et Il bien, faut Barat, t'en as pensé comprendre. quoi de Google Home? Moi, j'avais suivi un petit peu tout ce qui était Amazon Echo avec la voix, donc l'assistant Alexa, etc. J'aime bien ce genre de produit. Je trouve ça assez intéressant en termes d'agrégateur de plein de fonctionnalités IoT, en fait. Ouais, c'est enthousiasmant. Après, ils ont fait une vidéo qui envoie du rêve où tu vois une famille donc, qui est dans sa journée, sa petite routine, et il y a les enfants qui parlent pour leurs devoirs, pour demander une planète, où elle se situe, etc. Ça envoie du rêve, mais après, est-ce que c'est capable de connaître aussi bien les voix de tout le monde dans plein de scénarios, ça reste à voir. Mais remarquerez que ce soit chez Google, chez Apple, enfin dans toutes ces boîtes américaines, les familles sont toujours parfaites. Elles sont toujours super beaux. Ils sont Voilà, toujours, oui, ils sont tout beaux, la famille recomposée, etc. C'est pas chez eux. exactement. Alors que normalement, c'est les Simpsons. Santé. Et Et toi, Sébastien, ou non, pardon, vas-y, Julien, excuse-moi. Alors, moi, Ouais. je voulais juste dire un truc avant pour que vous puissiez rebondir les deux autres. Derrière, ce que j'ai trouvé plutôt génial et super de la part de Google, c'est que à l'annonce de cette Google Home, ils ont félicité Amazon qui a ouvert la voie avec Amazon Echo et je trouve ça plutôt fair play. On espère que d'autres s'inspireront un jour de ça. Bah pour les remercier, du coup, Amazon, ils ont dégagé le Chromecast de leur magasin. Enfin, Parfait. bref. Voilà. Comme quoi, au final, on sait qui sont les gentils.
Ouais, alors Julien, vas-y. Ouais, alors moi j'ai donc j'ai une Xbox One et l'un des premiers jeux qui est sorti, il y avait certaines opérations dans le jeu que tu devais faire par la voix, tu vois. Donc tu diriges une armée romaine, tu vas dire oh, ouais, tirez-leur dessus, envoyez les flèches. Et donc quand au bout de 3 fois l'écho de mon appartement a fait résonner la débilité d'un mec tout seul qui parle, hein, et ben t'as honte et tu utilises les boutons. Donc moi j'avoue que le concept d'un truc où je suis tout seul et je vais lui dire hey, il est quand mon cher métro? C'est quoi la météo? Non, non, bizarrement, le matin, moi j'ai la tête dans le cul, dans le café, donc je prends le portable, je regarde hein, avec mes petits yeux, tu vois, j'ai pas envie de parler, j'ai encore moins envie de parler à une boîte, donc j'ai beaucoup de mal à croire à ce genre de truc. Tu vois, mais Bah, c'est. je pense qu'après, l'idée qui risque d'être un petit peu compliquée aussi à faire passer auprès du grand public, encore que finalement Amazon a quand même trouvé le succès avec Echo aux États-Unis, mais c'est vrai que l'idée d'avoir une boîte en fait qui écoute en permanence tout ce qui se passe dans la maison, tu vois, c'est. Enfin, il y a des gens, je pense, que ça risque de déranger. Seb, on sait que Apple va faire ça Ça va contre. avantager les gens qui n'ont pas de bras, hein. C'est un public. Apple va organiser sa conférence dans quelques jours et il se murmure qu'éventuellement Apple pourrait aussi se tourner vers une solution de ce genre en utilisant Siri et peut-être une nouvelle version d'Apple TV. Tu as entendu parler de ça? Tiens, mais que c'est Ben, bizarre. écoute-moi bien. Déjà, quand la Xbox One, quand ça a été développé sur la Xbox One, quand les gens ils ont entendu que ça allait enregistrer en permanence, enfin, enregistrer et écouter en permanence ce que tu disais, ça a déjà fait polémique, tu vois. Ils l'ont viré, du coup. Mais moi, j'utilise déjà ce truc, parce que j'ai mon iPad, tu vois, au mur, je dis dis Siri, et puis j'ai déjà tout ce que je veux, hein, sans appuyer sur un bouton, hein, sans attendre de dire OK Google, OK Google, OK Google, tu vois. Puis, avant de dire OK Google, tu dois appuyer sur un bouton, hein. Non. Non. Non, Oui, justement non, pas. mais maintenant, Ça maintenant. reviendra ta vanne. Nul. Non, mais maintenant, vous devez. Peut-être que vous ne devrez Non. pas avec votre home, là. Non, depuis le Moto X, mon gars, depuis 2013, on ne fait plus ça. Ah bon? Nul. Tu dois pas Peut-être appuyer tu au milieu, reviendras là? ta vanne. Hein? Tu dois pas appuyer au milieu? Bah sur pas mal de terminaux, non, pas tous. Ah ouais, pas Sur ta tous. montre Android Wear, non, je suis désolé. D'accord. Comme ça. Et sur ton Samsung, non plus. Même si c'est S-Voice. Mais on va continuer sur Ok, les annonces de Google. cette Google I/O parce qu'on avance hein, quand même à un moment donné. Et donc, lors de cette Google I/O, il y a également on a eu droit à l'annonce de deux services qui s'appellent Allo et Duo. Donc, Seb, pour pas que tu sois perdu, c'est iMessage et FaceTime finalement, mais version Google. Mathieu, tu nous racontes un petit peu tout ça? Ouais, alors, en fait, je veux juste revenir sur un truc que j'ai dit Bah, derrière. juste Mathieu, attends. Je t'interromps juste 2 secondes. En fait, avant que tu nous racontes ça, parce que finalement, c'est jamais que des services de messagerie instantanée supplémentaires. Donc, ça serait intéressant, tiens, que vous me disiez, je vais passer vers chacun de vous et vous me dites quel service de messagerie instantanée que j'utilisais le plus, toi, par exemple, Julien. Alors, je pense que c'est Hangout avec 3 personnes, Mathieu Dos Santos, Oui, non, mais Teddy en dehors Sam. de ça, dans ta vie de tous les jours, tu sais. Il n'y a plus besoin, il n'y a plus besoin. Oui, j'utilise pas les trucs de. Honnêtement, c'est pas. Je suis trop vieux pour ça, je téléphone aux gens, mais j'utilise effectivement le truc de Facebook parce que. D'accord, donc Facebook Messenger pour toi, Sébastien? Il y a déjà Hangout en Je vais dire WhatsApp. D'accord, donc en Suisse, Le WhatsApp. Facebook. Barbara, toi, de ton côté? Moi, j'utilise Slack. Utilises quoi, pardon? C'est la rebelle. Slack. Slack. D'accord. Je connais pas, mais Santé. bon, c'est pas grave. Santé. Tu connais pas Slack? Slack, c'est un truc participatif. Vas-y, Barbara, dis-lui en 2 mots ce que Alors, c'est. raconte-nous alors du coup, parce que Ouais. là. C'est une messagerie instantanée donc, qui agglomère pas mal de services et c'est beaucoup utilisé dans les. Bah, moi, je suis pigiste, du coup, forcément, j'ai besoin d'avoir ma rédaction à distance régulièrement. Donc tu Et. piges tout en même temps. Comment? Et pigiste, donc j'ai dit tu piges tout. Exactement, voilà, t'as tout compris. On va passer là-dessus. Voilà. Pardon, pardon. Donc, ouais, Slack, c'est une messagerie instantanée et ça marche par navigateur web ou par application, donc c'est assez mobile, c'est pratique. Et tu peux faire des groupes de conversation, tu peux passer des appels depuis peu, tu peux partager des documents Google et ça reconnaît automatiquement ton drive et ça se connecte avec. Enfin voilà, c'est bien fichu,
c'est une licorne américaine, comme on dit, une D'accord. société hyper valorisée qui a cartonné. Et moi, j'ai parlé Clips en ce moment. Ouais. D'accord. Donc moi, personnellement, j'utilise beaucoup Facebook Messenger et puis mes camarades Hangout mais pour communiquer entre nous, pour notre chat interne. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, j'utilise pas du tout Hangout. Tu l'utilises quand même. J'utilise pas non plus WhatsApp, hein, contrairement à beaucoup de gens finalement. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe déjà quand même pas mal de services de ce genre. Ouais, et moi, tu m'as même pas demandé. Justement, j'arrive vers toi, Mathieu, j'arrive vers toi. Justement, donc toi, la réponse, on la connaît, on sait que c'est Hangout, c'est toi qui nous a refourgué ça. Donc. Non, c'est Tinder pour Mathieu, c'est Tinder. Pas besoin de te demander, on le sait. Non, mais moi, ce que je veux dire, Mathieu, c'est que tu nous expliques. Ça nous intéresse pas, en fait. Pourquoi lancer encore un truc en plus, quoi, quand ils sont déjà tellement nombreux sur le marché? Parce qu'on n'a pas cité tous les Chinois, genre Vibe, Line, comme. WeChat. Il y a Skype aussi d'une petite société californienne. Il y a Skype et il y a Viber. Enfin, il y en existe déjà tellement. Il y a HipChat. Il y a Chatroulette aussi. C'est vachement bien. Bon, Mathieu. Bah, en fait, ça revient vraiment au cœur de ce que je disais. En fait, ce que tu dois voir là-dedans, c'est que l'idée de tous ces services, c'est de refourguer Google Assistant. En fait, vraiment, le centre de cette Google I/O, c'est Google Assistant qu'on le retrouve dans Google Home et dans tous ces divers services que tu retrouves, parce qu'en fait, ils sont en train de se mettre à fond. Alors, ils y étaient déjà, hein, mais ils sont en train de se mettre à fond dans le machine learning et dans l'intelligence artificielle. Et du coup, ça va être vraiment des plateformes qui vont permettre de pouvoir tirer parti de commander une pizza, c'est de l'intelligence. Non, mais par contre, comprendre que Monsieur Perrier, il a la dalle et que au final, ils se disent, tiens, si on lui proposait une pizza, ça lui fera peut-être gagner du temps et ça lui rendra service. Là, c'est intéressant. Anticiper tes ça besoins. Ça fera des thunes pour Google. Et bah oui, mais bon, on ramasse où on peut, monsieur. Et donc voilà. Et en gros, donc ils comprennent aussi également qu'il y a un vrai problème avec Hangout qui ne trouve pas son public. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais en même temps, tu vois, je trouve que l'idée d'avoir posé la question aux autres, c'était intéressant parce que je vois deux, peut-être trois. Barbara, on t'a même pas demandé, toi. T'es plutôt fanboy quoi, toi? Apple ou Google? Fais gaffe à ce que tu vas dire. Ça va être compliqué parce qu'en fait, j'ai utilisé un iPhone pendant des années et là maintenant je suis sur Android et j'avoue que je préfère Android maintenant. Mais pas pour la solidité. Pour la solidité, mon iPhone 4, je l'ai gardé très longtemps. Oui, mais parce qu'il faut le changer. T'as le choix des marques. J'allais dire belle et intelligente, mais presque. Je sais pas si vous faites du placement de produit à ce point-là, mais. Non, mais vas-y, place ton produit. Vas-y, tu peux. Je suis sur du LG G4 et j'en suis très contente. D'accord, ok. Parfait. Ça passe bien. Ah, c'est toi qui l'as acheté, d'accord. Et donc voilà, finalement, le qu'on fait entre nous là, c'est que en fait, je vois que il y a l'air d'avoir peu de gens aussi qui utilisent iMessage, même si je pense que c'est quand même plus répandu que Hangout, qui vraiment. iMessage, si tu veux, mais c'est, tu peux l'utiliser qu'avec les. Enfin, à la base, il faut que ce soit quelqu'un qui a un iPhone aussi. Oui. Et il y en a pas tant que ça. Il faut le dire. Il y en a, mais bon. Oui, mais pas tant que ça. On est 100 millions d'amis. Non, puis le fait est, si tu veux, avec iMessage, alors tu nous diras après si c'est la même chose pour Allo, mais si tu veux, quand c'est ton application de message de messagerie sur iOS, donc de toute façon, à part la couleur de la bulle qui t'indique si c'est un iMessage ou si c'est un SMS, Hangout aussi te permet de fusionner, sauf que c'est trop confidentiel. Google a pêché en termes de communication. Alors, juste, j'interromps deux secondes, c'est ça, parce que t'en as parlé dans Andromag lundi, et justement, le truc je me demande, c'est comment ça peut être confidentiel quand on a 85% de part de marché. Il n'y a pas un moment donné où ils sont comptés quelque part, quand même. Non, mais il y a eu un problème. Déjà, ils avaient Google Talk à l'époque, qui marchait pas des masses. Ils l'ont rebaptisé Hangout. Ça a pris deux ans. Non, mais ils ont rebaptisé ça. Ils n'ont pas dû le sortir en même temps que les Google Glass. Ça, c'était une grosse connerie. Et ils ont. Alors, je vais essayer de finir mon raisonnement. Ils ont sorti Hangout qui ne parle à personne. Moi, je te mets au défi de sortir dans la rue et de montrer aux gens l'icône Hangout avec le nom Hangout et de leur demander à quoi ça sert. Les gens ne comprendront pas et je le conçois complètement. Du coup. Un peu comme Google Plus, quoi. Ouais,
Je me suis dit, parlez pas trop là les deux, parce qu'on pourrait, on pourrait parler de Pink hein, si les gens savent ce que c'est. Hein. Ping, ouais, et puis alors Connect aussi dans Apple Music, ça, je pense que c'est une fonction qui va bien fonctionner. Voilà, donc on se calme. Non, et donc au final, pour quand même avancer, ils ont voulu rebondir sur Halo. Halo, j'ai l'impression que à la manière dont c'est présenté, c'est clairement pour essayer de séduire les jeunes. Et donc elle le disait, Barbara, qu'il y a sur Android N, il y a cette faculté de pouvoir agrandir et rétrécir le texte, les emojis. Ce qui permet une nouvelle façon de faire passer les sentiments. Par exemple, si tu dis waouh en très très grand, tu as compris le degré de bonheur. Voilà. Et par exemple, si j'envoie à Seb le doigt en très grand comme ça, il comprend ce que je veux lui dire en fait. Ta grand-mère, elle pourra enfin lire ses emojis. Voilà, exactement, sans lunettes. La promo donc de Halo en France, ils vont faire confiance à Nabila, c'est ça? Ah bah non, merde. Oui. Mais Halo, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu Microsoft. On s'égare là. Tout simplement pour dire que au final, ils retentent l'expérience, mais que pour moi derrière, l'idée c'est, ils s'en foutent que Halo ait du succès ou pas, parce que je pense qu'ils sont conscients qu'ils arrivent tellement en retard que c'est mort, mais qu'ils se disent que s'il y a un noyau embryonnaire de personnes qui vont l'utiliser et je pense qu'il y en aura, ça servira de base pour justement travailler Google Assistant et tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle. Je pense que pour moi le fond de cette affaire il est un petit peu là. Et Duo, en fait c'est pareil, j'ai l'impression qu'ils sont en train de transformer Hangout en Skype. Hangout, puisque c'est ce qu'on fait avec quand on enregistre l'émission. Mmh. L'idée, c'est de faire des visioconférences. Ouais, d'ailleurs, à plusieurs. Google, vous ne l'enlevez pas parce que nous dans la merde, sinon. Ah bah oui, ça c'est clair. Mais j'ai appelé, ils m'ont dit, on vous le laisse. Et du coup, l'idée, c'est Duo, c'est vraiment d'avoir une fonction d'appel à deux. Et ce qui est bien, je crois, dans Halo et Duo, c'est que déjà, il n'y aura pas d'inscription. Ça sera lié à ton numéro de téléphone, ce qui va faciliter grandement l'adoption. Après, ils ont rajouté la fonction un peu gadget que je trouvais très sympa. Moi, la knock knock, là, celle où tu vois un peu ce qui se passe quelques minutes avant de répondre à ton appel. Tu vois déjà l'interlocuteur. Voilà. Ça dépend ce qu'il est en train de faire. C'est Julien, tu vois sur les chiottes. Ouais. C'est un peu chelou là, comme truc. Ouais. T'as compris la fonction. T'imagines quand tu t'appelles Julien Debré, sur quoi tu peux tomber quoi. Non mais c'est honteux comme truc. Enfin, tout le monde va le désactiver. Pourquoi c'est honteux? Attends, si je t'appelle et que je te montre mon cul. C'est traumatisant de voir ce qu'il fait. Non mais si je t'appelle et je te fais un knock knock et je te montre mon cul. Qui a décidé de montrer son cul? C'est Google ou c'est moi? C'est là où je suis pas d'accord. C'est juste qu'il faut bien faire gaffe à qui on utilise ça. Non mais c'est qu'on voit qui en premier, celui qui appelle ou celui qui reçoit? Non, c'est celui qui... Moi, si je t'appelle, c'est moi qu'on voit. Et pas toi. Ah d'accord. Ah oui, je crois que c'est l'inverse. Mais non, c'est pas, ils font ça, ils sont intelligents chez Google. Disons, tu vois la gueule de l'interlocuteur, tu fais non, j'ai pas envie de lui parler quoi. Voilà. C'est ça, ouais. À la limite. Ouais, ça va faire foirer leur truc. Tu vois. Donc, toi, Barbara. Ils vont faire Tinder là-dessus, je sens. Ouais, clair. Vu que tu as un LG4, donc sous Android, est-ce que c'est des services, que ce soit Halo ou Duo, que tu comptes utiliser une fois qu'ils seront en place ou ça t'attire pas plus que ça? A priori, ça m'attire pas trop. Surtout le côté persistant de l'application Halo. Bon, j'ai compris le principe. Ils veulent qu'on reste super longtemps dessus. Ils ont mis plein de fonctionnalités pour que ça fasse un peu comme Facebook Messenger. On a tout ce qui est les chatbots. Ça, c'est vraiment super bizarre sur ce genre de service parce que c'est la flemme, quoi. T'as des messages préprogrammés qui vont arriver. Et du coup, par exemple, il y a une amie qui t'envoie la photo de son bébé et il y a marqué « ouais, bof, super », en fonction de ce que tu as l'habitude de répondre, ouais. Tu vois. Barbara, je te pose juste la question comme ça. Tu me dis « t'as une amie qui t'envoie », mais si t'as une amie relou, tu sais, une meuf, t'as pas trop envie de lui parler, mais tu l'aimes bien quand même un petit peu… Ouais, mais j'ai pas la flemme au point de faire appel à un message préprogrammé pour répondre. Ou alors c'est vraiment que je suis complètement dans le gaz, mais a priori je trouve ça un peu bizarre. C'est un peu tiré par les cheveux quand même, je suis assez d'accord. Et, ouais. Et donc, en plus de ça, il y a une petite polémique qui est née par rapport à ce service Halo. On a beaucoup parlé de chiffrement des données, notamment avec l'histoire qu'il y a eu avec, entre Apple et le FBI. Ça a donné lieu d'ailleurs à un article qui était rédigé pour Atlantico,
Par mon camarade d'Aiwik, Gilles Dounès, ce qui a donné lieu, du coup, à un petit échange de tweets entre Gilles et Mathieu, qui était, ouais, bon, c'était du fight amical, mais quand même, c'était. Et donc, dans un de ces tweets, tu as dit, Mathieu, que ça pourrait faire l'objet d'un débat intéressant pour l'école des fanboys, donc on y est. Alors, Gilles n'est pas là, évidemment, ce soir, mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les faits, s'il te plaît, et puis les autres nous donneront un peu leur avis sur la question, justement. Alors, en fait, je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment. Gilles, il m'aime bien. Et moi aussi, je l'aime Mais bien. En parce que c'est fait, un cœur sur pattes, Gilles, il est adorable. oui, et en fait, ce qui est drôle dans cette histoire, juste pour parler des coulisses rapidement, c'est qu'à un moment, il a vraiment cru que j'étais fâché. Alors qu'en fait, non, je débattais avec lui un peu de manière passionnée. Et c'est aussi ça un peu le problème quand tu discutes à l'écrit avec quelqu'un, parce qu'en fait, il n'arrive pas à avoir l'intonation que tu donnes à tes arguments et il comprend pas. Voilà, c'était de bonne guerre. Et en gros, en ce moment, donc Gilles, dès qu'il y a un petit truc qui troll un peu Google, il me l'envoie, tu vois. Il me dit tiens, coucou, bisous, hop, et troll, tu vois. Et donc il m'a envoyé son article que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant. Oui, c'est vrai, Et c'est pas. en fait, le truc, c'est que il est reproché à Allo, donc le service de messagerie instantanée, de ne pas activer par défaut le cryptage des données, quoi. Et donc, du coup, enfin, c'est ça qui a donné un peu lieu à la polémique. En plus, Snowden, il a rajouté sa fraise. Il a été dire, les mecs, je vous recommande de ne pas utiliser cette application. Alors moi, Snowden, je l'aime bien. Je n'ai pas de parti pris concernant ce qu'il a fait. Je pense que ce qu'il a fait est très très courageux. Je suis pas sûr que beaucoup de gens auraient fait ce qu'il a fait, mais je pense qu'on a tendance maintenant à boire toutes les paroles de cette personne comme paroles d'évangile. Tu vois, le gars, il parle et c'est lui qui a une vérité absolue, et c'est ce qui m'embête un petit peu. Parce que, en fait, je comprends sa position, je comprends, c'est un donneur d'alerte, donc il est dans son rôle. Et nous aussi, dans l'école des fanboys, c'est important qu'on le dise pour informer les gens. Mais sincèrement, je trouve qu'il y a, et c'est là où je voulais en venir un peu avec Gilles, c'est que je trouve qu'on fait un procès d'intention à Google qui est juste ouf. C'est-à-dire que Google, ça fait je sais pas combien de temps qu'on le traite de Big Brother, et je comprends pas parce qu'au final, pour l'instant, il y a rien de factuel qui est donné, qui est montré un jour qu'on a eu tort de leur faire confiance. Non, mais alors après, moi je sais pas, hein, honnêtement, je vais te dire ce que j'en pense, à mon avis, tu vois, ce qui pose souci, par exemple, si on fait la comparaison entre Google et Apple, par exemple, c'est que Google, son fonds de commerce, c'est la pub. Et que donc ils utilisent tout ce qu'ils savent sur toi à des fins publicitaires, ce qui n'est pas forcément dérangeant, hein, parce que ça permet d'avoir de la publicité ciblée. Et moi personnellement, ça ne me gêne pas. Je fais partie des gens que ça ne dérange pas, mais je conçois qu'il y a des gens à qui ça puisse poser un problème et Ouais, que en mais même précise temps. bien que la publicité ciblée, elle t'a jamais un jour, t'as jamais eu un pop-up qui s'est affiché sur ta gueule. Enfin, la publicité ciblée, elle est ciblée, mais elle reste acceptable parce qu'elle n'est jamais envahissante pour le moment. C'est Non, ça aussi. mais je suis d'accord avec toi, mais si tu veux, dans le même temps, tu as Apple qui, lui, tient un discours que voilà, il n'utilisera jamais les données personnelles de ses clients, justement, à des fins publicitaires. Donc, D'accord. forcément, tu vois, il y a deux discours différents. Ouais, Il y en vas-y. a un qui va forcément plus plaire aux gens que Oui. l'autre, même si dans les faits, comme je dis, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Et puis, comme on l'a rappelé, oui, Julien, je te donne la parole tout de suite après, quand on avait évoqué Cortana, de toute façon, tous ces services, que ce soit Cortana, que ce soit Google Now, si on leur donne pas un minimum à manger, ils ne servent à rien. Voilà. Et juste pour que après je vais laisser répondre Julien. Et après je vais revenir sur ces petits fights entre les adorateurs de la stratégie de Apple, dont on ne partage pas les données, et Google qui donne les données. Juste pour compléter ce que tu dis, je vais laisser la parole à Julien. Faut savoir que Allo, pourquoi le cryptage il n'est pas activé par défaut? Tout simplement, on va en revenir encore et toujours à la même chose, c'est que si tu cryptes, Google Assistant ne peut plus fonctionner en fait. Oui, c'est ce que Et je du viens coup, de voilà. L'intérêt de pouvoir t'offrir ces fameuses réponses automatiques qui peuvent plaire ou ne pas plaire à certains, c'est après c'est chacun y voit sa chapelle, et ben tu peux pas avec le cryptage, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, comme eux, ils y voient un peu leur intérêt, et ce qui est normal, hein, Google c'est pas une église, hein, c'est pas le Vatican, hein, et même le Vatican qui n'est pas tout blanc non plus. Et ben eux, ils vont prendre ce qui est d'abord leur intérêt. Mais par contre, Allo, on peut crypter les données. C'est juste que c'est facultatif et qu'eux, ils le disent pas trop.
Voilà, Mais tu vas nous, donner on est beaucoup là de aussi temps, pour ça peut-être aussi. pas d'ailleurs. Ça sera peut-être plus compliqué pour Madame Michu de le faire, quoi. Oui, Ça Julien. dépend. Si c'est comme activer la 4K sur un iPhone, peut-être. On va laisser parler Julien, s'il te plaît. Oui, moi, deux choses. Le premier, c'est bon, de toute façon, un peu un faux débat, parce que je pense qu'on a déjà tous donné nos infos à droite à gauche. Maintenant, toutes ces sociétés savent tout de nous. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'on gueule dès que l'État veut faire un fichier, alors qu'on donne toutes nos infos à des boîtes privées. Moi, ce qui me gêne, j'entends ton discours, Mathieu, mais à l'arrivée, que ce soit Apple ou Google, ce sont des boîtes privées. Des boîtes privées, donc des boîtes qui marchent via un actionnariat. Demain, l'Arabie Saoudite décide de faire une OPA sur Google, se démerde bien, il rachète Google. Il rachète Google, il rachète toutes ces données. Et là, qu'est-ce que eux vont en faire? Bah, le scénario que tu es en train de dire, ce serait la même chose pour Apple, même si c'est peut-être un peu moins propre, mais c'est pareil. Microsoft. Maintenant, je vais revenir aussi sur la fameuse guéguerre entre, genre, Apple, c'est mieux parce que c'est plus privé. Je vais vous démonter Pas en un mieux. argument, je vous en, même, même pas comme ça, à l'heure actuelle, je vais vous donner un argument qui fait que, malgré toute la bonne volonté de Apple, c'est l'utilisateur final qui sera toujours responsable de ce qui lui arrive. Je vais vous donner, on sait très bien, pour rappel, le plus gros scandale qu'il y a eu de fuite de données, il vient de chez Apple. Je vous rappelle que les célébrités qui se sont retrouvées à poil, qui ont fait des photos à poil et qui se sont retrouvées sur le net, alors attends, Seb, ce n'est pas Apple qui a fourni les données. C'est un mot de passe pourri, d'accord, ok. Mais au final, les données, elles ont été volées. Quoi qu'il arrive, la star s'est retrouvée à poil sur le net. Et ce que je veux dire, c'est qu'au final, Apple aura beau te dire, je te mets ceinture, bretelles, barrière, sentinelle, tout, sniper, si tu mets un mot de passe de merde, toute ta sécurité, toute ta bonne foi, eh Ouais, ben, elle tiendra tu connais jamais. Paris Hilton? Ouais, mais elle donne gratuitement, Non, elle a dit que c'était volé aussi. Mais Mot de après, passe. bon, faut pas oublier non plus que Le Allo, donc, complice est on l'a Issa. dit tout à l'heure, un service de messagerie instantanée, et que bah, là encore, si tu veux, même si effectivement tu peux le faire par après, mais que ce que je veux dire, c'est que c'est le chiffrement des données maintenant, sur tous les services de messagerie instantanée, quasiment, c'est le cas, c'est notamment donc de WhatsApp. Facebook a annoncé qu'ils allaient le chiffrer également leur Ouais. service de Messenger. Donc c'est ça ce que je veux dire. Moi je juge pas. C'est juste que le problème, c'est peut-être ça qui fait que le discours de Google a du mal à passer, c'est que eux ils sont toujours en contradiction avec les autres finalement. Ouais, et ce qui est drôle par contre en contradiction, c'est que c'est quand même une nouvelle vague. Je sais pas si tu vois, mais tout le monde vient de décider de crypter les données. Il faut savoir qu'avant, tes données, elles n'étaient pas cryptées non plus. Donc si je veux te retrouver une discussion que tu as eue un peu tendue et que j'ai envie de faire du tort et que je me démerde, entre guillemets, pour récupérer une ancienne discussion de WhatsApp ou les autres même, eh ben c'est pas impossible. Après, moi je trouve qu'ils sont de bonne enfin, ils sont pas de bonne foi et ils ont leur tort. Parce que à la limite, ils peuvent dire on crypte pas, mais attention, on a mis l'option qui est, et pour même compléter ce que je suis en train de te dire, c'est qu'ils utilisent le modèle de cryptage qui est identique à celui de WhatsApp. Et en plus, c'est pas un chiffrement de merde, c'est même pas genre un chiffrement pour te dire quand on a mis un, c'est celui qui s'appelle Signal et qui a été reconnu comme un des plus, des meilleurs par une association indépendante qui s'appelle Electronic Frontier Foundation, et il a obtenu les meilleurs scores là-dessus. Donc, je pense qu'ils jouent quand même le jeu. Après, ils n'ont pas communiqué là-dessus. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que ça l'était pas? Tout est de lieu de croire que c'est sans doute volontaire parce qu'on en revient. Leur but, c'est de pouvoir faire travailler Google Avance, Assistant. Mathieu. Ouais, Google Assistant, mais en tout cas, je suis désolé, je trouve que c'est une polémique qui a un peu lieu d'être parce qu'au final, toutes les messageries avant n'étaient pas cryptées. Et j'ai envie de dire, parce que c'est Google, on leur tape sur les doigts, quoi. Voilà. Ah, mais non, Une... mais Ah oui, je suis pas, dans un point de trop vue. d'accord. Non, désolé, mais je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, Mathieu. D'accord. Google, ok, c'était peut-être pas crypté avant, mais on n'avait pas un profil numérique aussi important aussi avant, donc c'était pas aussi important. Et là, on accède à des services qui sont quand même. On a du mal à se passer de Google aujourd'hui, donc je pense que c'est de leur responsabilité de sécuriser l'espace parce que tout le monde ne peut pas le faire soi-même en fait. Ouais, C'est mais là, pour ce ça que qu'il y a tu des fais, autorités, c'est pour ça qu'il y a juste ce des que tu fais autorités là, de ça. régulation comme la CNIL, etc., quoi.
ce que tu fais quand même, c'est quand même le procès du premier de la classe. C'est-à-dire qu'ils sont pas les seuls à avoir ce truc-là. Et j'aime bien quand les gens me disent, on peut pas se passer de Google. Si, moi j'en connais qui utilisent Tor, DuckDuckGo. Tu peux être hyper bien formé au numérique et connaître les outils, etc. Mais le grand public, il fait quoi? Il est devant son navigateur et prend Google, quoi. Il réfléchit pas. Ouais, mais aujourd'hui, le public, ils achètent un téléphone à 800 balles qui s'appelle l'iPhone. Et alors que mais ils réfléchissent pas. Voilà. Mais dans ce cas-là, qui est responsable? Bon, là, je pense que la responsabilité des grands groupes, c'est quand même de faire en sorte de respecter la vie privée de leurs usagers. Et s'ils ne le font pas, de prévenir qu'ils ne respectent pas. Et c'est pour ça qu'ils ont été alignés récemment en France pour être obligés. Ils ont été obligés de faire amende honorable et de dire bah, voilà, nos règles de confidentialité, c'est ça. Si vous acceptez nos services, vous cliquez là, etc. C'est pour ça qu'il y a toutes les petites bannières maintenant avec marqué les cookies, les traceurs. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place. Ça, c'est de l'ordre de la protection des usagers et il ne faut pas non plus dénigrer les gens qui habitent dans les campagnes et qui ont une PME et qui s'intéressent à Google pour vendre leurs produits, etc. Ils ne connaissent pas tout, quoi. Enfin, c'est des gens de la vie de tous les jours et on n'est pas tous obligés d'être des fanboys pour comprendre Google, tu vois. Je suis d'accord. Je finirai juste une dernière phrase et voilà, après, tu donneras le dernier mot. Non, mais tu donneras le dernier mot, c'est une phrase. Moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'utilise à fond les services de Google et j'ai jamais eu l'impression d'avoir été violé dans ma vie privée. Voilà. Je demande un exemple. Je demande un cas concret. C'est tout ce que je demande parce que pour l'instant, c'est bien beau de dire ça, mais personne. J'ai une question, Mathieu. Ouais. Une question. Donc, tu installes Allo. Allo. Oui. Et ça s'active automatiquement ou au début on te donne le choix de l'assistant ou il est activé de base l'assistant? Oui, c'est ça. Il faudrait qu'on puisse choisir. Parce que si au début, voilà, si au début on dit vous pouvez prendre l'assistant Google alors, en même temps que Allo, oui ou non, tu fais ton petit. Ouais. Alors, je t'explique, je pense qu'il faut que tu prennes. Comment ça se passe? Je réponds à ta question et puis je sais que Teddy veut qu'on avance, donc moi je finirai là. Non, moi j'en fous, hein, c'est juste que là, après. des sujets qui vont. Android Wear, on n'en parle pas du coup, mais c'est pas grave. Google Assistant, vous le voyez comme un nouveau truc qui arrive qui va vous espionner. On a un truc qui s'appelle Google Now qui fait déjà en ce moment la même chose. Pour rappel, Google Now, on te propose de l'activer. Il n'est pas activé par défaut. C'est quand tu, la première fois, il te dit Google Assistant sera pareil. Et c'est pas genre tu vas installer Allo et Google Assistant sera installé. Non. Mais c'est pas une attaque. C'est pas une attaque que je t'ai fait. Non. Non, j'explique. Mais détends-toi. Tu veux une petite pipe? On en reparle après l'émission. En gros, si tu n'as pas activé Google Assistant, il va pas s'activer comme par magie, à moins qu'ils soient en train de nous faire un coup de Trafalgar. Mais encore une fois, merci de ne pas accuser sans preuve. Si tu n'actives pas Google Assistant comme tu n'actives pas Google Now parce que tu n'en veux pas, eh ben, il ne sera pas activé sur Allo. Et sur Allo, ben, t'auras peut-être pas le cryptage par défaut, il faudra l'activer toi-même. Mais en tout cas, Assistant ne viendra pas s'incruster dans tes discussions. C'est une phrase, hein, c'est ça. Oui. Mais j'ai répondu à la question. J'ai fini. Ouais, merci. Mais je reviendrai pour la pipe. Hein. je peux rajouter quelque chose ou pas ou c'est... Ouais, alors du coup, oui, vas-y. Allez. Non, mais très rapidement, mais c'est juste que sur Google Allo, à la limite, s'il y a une possibilité de choisir les services qui sont interconnectés et de dire ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord, ça me va mieux. Et oui, Android N, gestion des autorisations. Mon Dieu, ne le relancez pas. Mais pour citer une application qui a été pointée du doigt récemment, qui fonctionne encore en tâche de fond et qui conserve tes données beaucoup trop longtemps, il y a Runkeeper qui a été aligné récemment. Et c'est ce genre de trucs qui peuvent faire flipper les utilisateurs. C'est est-ce qu'on va continuer à savoir où je me déplace tout le temps? Est-ce que, par exemple, si c'est interconnecté avec Uber, est-ce que il va savoir quand est-ce que, enfin, voilà, où je suis à n'importe quel moment? C'est des données qui intéressent Google quand même. C'est une valeur marchande. Je rappelle simplement que maintenant, quand tu lances une application sur Marshmallow, on te demande si tu acceptes d'activer telle ou telle chose. Il y a une gestion des autorisations qui est devenue très très fine et tu peux. Et maintenant, tu as des pop-up qui interviennent. Donc, tu peux même pas dire je sais pas où c'est. Mathieu, c'est fini. Vrai. J'arrête. Tu as 2 minutes pour Daydream et Android Wear. Ok. pour Daydream, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'ils ont fait un effet d'annonce. Je pense qu'ils ont voulu montrer un truc waouh et depuis le temps qu'ils travaillent sur la VR parce que ça a commencé avec le Google Cardboard. Je pense qu'au début ils savaient pas ce qu'ils allaient trop en faire, mais avec l'arrivée du Oculus et du Vive, bah ça a explosé.
En gros, il était temps de donner une interface potable avec Google Cardboard et avec. Le nombre de ventes, ça a explosé. On attendra de voir quand même les chiffres de vente parce que pour l'instant. Non, t'es d'accord avec moi, il y a une hype comme pour les télé 3D. Les gens, ils n'ont pas vendu. Il y a une hype du côté de chez les constructeurs. Attendez. Ok, alors si pour vous, hype, ça veut dire succès, on n'a pas du tout la même définition. Je dis, il y a une hype, c'est-à-dire une excitation. Me dites pas qu'il y a les constructeurs, mais me dites pas que moi je regarde en ce moment, je m'intéresse grave à la VR, une chaîne YouTube, il y a un YouTuber sur la VR toutes les deux secondes, je crois qu'il est en train de mettre une chaîne dédiée à la VR, hein. Des mecs qui achètent le Vive et qui te font des vidéos tous les jours. J'en vois plein puisque je m'intéresse au sujet. Il y a une hype, on peut pas dire autrement, il y a une vraie hype. Regarde, même Barbara, là, son truc, tu vois, c'est pour dire. Ah, là, les nouvelles. Ah, même Barbara, moi, je suis passionnée de VR, j'ai plein de trucs VR, j'ai lu HTC Vive en place en ce moment. Mais donc, on est d'accord qu'il y a une hype, il y a une vraie hype. Après, est-ce que ça va marcher ou pas? Là, c'est une autre question. C'est comme la 3D, il y a une hype, c'est-à-dire que tous les constructeurs s'y sont mis à fond. Les mecs, ils ont vu ça dans les premiers salons, ils ont dit waouh, et le public a juste dit fuck. C'est juste que la presse. On verra ce qu'il en sera pour la VR. Hein. Voilà, la presse et les constructeurs se sont emballés tout seuls et ils ont juste pas vu qu'il y avait peut-être le public à convaincre. Ensuite, il fallait créer une interface, il fallait créer quelque chose autour de ça. Ils l'ont fait. Ils ont suivi le mouvement de Facebook qui, moi, j'ai été à la conférence du Galaxy S7. Facebook qui a créé le Gear VR à Oculus, celui de Samsung, on a fait des caisses en disant non, on a des Facebook vidéos, on a des vidéos 360 qui poussent toutes les deux minutes. Donc, c'était pertinent pour Google qui a YouTube aussi de montrer sa patte et de dire qu'eux aussi, ils étaient là et qu'ils avaient un portail de vidéos qui est juste le plus célèbre. Donc, forcément, il fallait qu'ils réagissent. Les jeux arrivent. Après, c'est à chacun de juger ou pas l'intérêt de ce truc-là. Et honnêtement, je pense que je ne peux pas, malgré tout mon enthousiasme, je ne peux pas parier sur le succès de la VR ou pas, parce qu'au début, j'étais un peu sûr que ça allait marcher. Non, mais puis c'est pas du tout l'objet du débat de voilà. ce soir. Voilà. Et du coup, mais comme vous, comme j'entends les gens autour de moi, je suis peut-être plus mi-figue, mi-raisin. Maintenant, je n'irai pas parier un billet. Mais en gros, il fallait donner une cohérence. Voilà. Donc, ça a donné Daydream, donc qui est une interface où tu vas pouvoir naviguer de manière VR sur un portail d'application qui sera dédié à la VR, qui donc le service de vidéo, les jeux et sans doute des applications, des usages à trouver. Notamment avec Tango, il y aura peut-être un croisement au bout d'un moment qui donnera des choses intéressantes. D'accord. Pardon ? Il y a le label aussi pour tous les fabricants de smartphones Android qui seront liés à Facebook qui va dire vous êtes capable de faire de la VR correctement. Voilà, exactement. Mais la forte à parier qu'il y a présenté l'Axon 7 qui serait a priori donc le premier smartphone compatible d'Enring d'ailleurs. Oui, mais il y a fort à parier qu'il y a déjà des acteurs des jeux. Je suis prêt à parier qu'ils seront tous normales. Je pense que le minimum c'est d'avoir des écrans 2K. L'écran Full HD ça devient un peu compliqué. Tu voulais dire quoi ? T'avais commencé à dire quelque chose et du coup t'étais interrompu, Seb ? Je voulais dire, ils les achètent les noms ou s'il y a un mec qui s'en occupe ? Je crée les noms, là, Daydream, ce Halo. Ils ont besoin des usagers pour leur donner des noms. Ah oui, voilà, c'est vrai. Julien, tu vas choisir ton camp, on va voir. Là où je te rejoins Je suis neutre. On t'écoute. Elle est neutre, je t'en rejoins pas sur le succès de la VR. Hein. Moi, je suis désolé, la VR marche très bien. Hein. D'accord. Le temps de conclure cette partie-là, puisque c'est Mathieu qui a fait Daydream, on va demander à Barbara de nous parler vite fait d'Android Wear 2.0, parce que attention, il n'y a pas grand-chose à en dire, donc en même temps. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Alors moi, j'ai un peu rigolé quand j'ai vu qu'il y avait un mode swipe. Je sais pas comment on dit, swipe ou sweep. Ah, le bashing. Mais là, c'est juste pas possible. Enfin, sur les montres connectées, t'as juste pas beaucoup de place. Tu mets ton doigt dessus et tu fais la taille de la montre. Donc d'accord. Un écran, ok, c'est bien, mais franchement, avec la reconnaissance vocale, c'est déjà super. Moi, j'ai testé plusieurs montres et elles marchent très bien. Un clavier, pourquoi pas. Bon, c'est la possibilité de passer d'une lettre à l'autre et d'écrire plus rapidement ses mots. Ça m'a pas enthousiasmé personnellement. Attends, Mathieu, laisse-la terminer, s'il te plaît. Vas-y, termine. Il y a tout ce qui est historique des activités sportives, donc du coup, on n'est pas obligé de partir avec son smartphone dans la poche et on peut garder trace et se faire synchroniser le téléphone donc quand on rentre, etc.
Ça, c'est évident qu'il fallait le mettre. Il y a des objets connectés qui le font déjà. Donc, voilà, c'est juste dans la continuité. Et la musique en mode déconnecté, bon, voilà, c'est juste de la continuité pour moi. Il n'y a rien de fou là-dessus, quoi. D'accord. Juju, pour le clavier, tu leur dis ou je le dis ? Non, mais le clavier, le problème, nous, c'est bien foutu parce qu'il y a le cadran sur la gear et du coup, le clavier... Redonne le contexte. Redonne le contexte. Oui, ouais, mais rapidement, les gars, parce que là... Ouais, mais vous n'êtes pas sur ce système d'exploitation. Voilà, exactement. Voilà, Samsung a son propre système et sur la gear, donc, il y a ce fameux... Alors, je ne sais pas ma montre, mais tu vas peut-être pouvoir montrer, Mathieu, mais on peut faire tourner le cadran et du coup, effectivement, là, pour avoir accès à un clavier, c'est rapide et on n'a pas les doigts sur l'écran, donc on voit ce qu'on fait. Alors que là, du coup, on se retrouve avec le doigt sur l'écran. Là, c'est un produit particulier et un système d'exploitation particulier. Donc je suis désolé, on n'est pas hors sujet parce que c'est une attaque gratuite pour dire le clavier, ça sert à rien. Et je trouve que c'est les gens qui l'ont pas testé qui se permettent de parler. Parce que moi, Julien, on n'était pas du tout sur le même registre. C'est pas une question de cadran. Moi, j'ai utilisé le clavier en T9 qu'on a sur la Gear S2 et ça marche super bien. Retour vers le futur là. Donc, Mais ça marche super bien. J'avoue que moi je lui parle à la montre. Voilà. Bon. Mais ça reste c'est les gens qui ont l'Apple Watch. Vous ne faites pas rêver là pour le coup, mais vraiment pas. Ouais, mais moi je dis que plus de choix, mieux c'est quoi. Tu me feras pas dire que la vocale c'est bien, mais si j'ai envie de tapoter sur mon clavier parce que j'ai pas envie de parler dans le bus, tout le monde te regarde. En train de taper, voilà. Là, tapoter ton petit message vite fait. Pour oui, mettre Mathieu, un merci. Tu sais très bien l'amour immodéré que je porte pour les montres connectées d'une manière générale. Bref, c'est comme pour la domotique. Voilà, pareil. Très bien. Pour l'instant, je constate que c'est deux secteurs qui ne fonctionnent pas. Enfin bon. Bref. On va donc passer au Computex. On va en dire rapidement deux petits mots. Donc avec trois produits qui ont été présentés par lui. Parce qu'en fait, pour rappeler le contexte, hein, le Computex, c'est un salon qui est organisé à Taïwan. Donc à Taïwan, il y a en ce moment d'ailleurs notre partenaire Greg du JT Geek qui a couvert le salon aussi pour sa chaîne YouTube, qu'on salue au passage. Et c'est un petit peu le salon d'Asus, parce qu'en fait, ils sont quatre constructeurs à Taïwan. Il y a Asus, Acer, MSI et puis HTC. Donc HTC, je crois qu'ils n'y sont même pas. Acer, ils avaient déjà fait leurs annonces à New York il y a quelques semaines. Donc c'était en fait la grande fête pour Asus, du coup. Et, HTC, juste pour info, ils y étaient, mais ils ont juste présenté des trucs pour le Vive, des nouveautés. Pas grand chose. Je crois qu'il n'y a pas un salon où ils ne nous sortent pas le Vive, on a compris. Oui, c'est vrai. En ce moment, ils ont un peu tout ça aussi. Hein. Sur le HTC Vive, je sais pas, bientôt tu vas aller à la foire du trône, il y aura aussi le HTC Vive. Enfin, j'ai l'impression que je ne peux plus aller nulle part sans avoir le HTC Vive. Hein, donc, c'est salon du chocolat, porte de Versailles. Faut pas que tu viennes chez moi alors, Teddy, parce qu'il y a le Vive aussi. Oui, non, mais pourquoi pas. Hein, mais... Tu l'as acheté ? Non, je ne l'ai pas acheté, je l'ai en test. Ouais, elle l'a dit tout à l'heure. Il faut écouter. J'avais pas entendu. Il n'écoute pas les femmes. C'est quand que je l'envoie un verre chez toi ? Ouais. Il faudrait savoir, je croyais que c'était à la foire de Paris, etc. Bon, bref, on va revenir à Asus parce que le HTC Vive, moi j'en peux plus personnellement. Donc, du coup, Asus a présenté donc sa nouvelle gamme de Zenfone, le Zenfone 2 qui avait connu un grand succès l'an dernier. Donc, le Zenfone 3 qui est décliné en trois modèles, donc le Zenfone normal, le Zenfone 3 Ultra dont on va pas vraiment parler, c'est un écran de 6,8 pouces et je suis pas sûr qu'on le voie de toute façon arriver chez nous. Par contre, Mathieu, j'aimerais bien que tu nous dises deux mots, j'ai bien dit deux mots, sur le Zenfone Deluxe, parce que pour le coup, allez voir la vidéo que justement que notre ami GLG a fait ce matin. D'ailleurs, Julien, tu la mettras peut-être en insert au montage. Il est juste magnifique, quoi, ce téléphone, et il a des specs de ouf, quoi, pour un prix où il devrait être inférieur à 600€ normalement chez nous, même si on n'a pas le prix définitif, et une date de sortie qui devrait être située vers septembre-octobre. Donc, on verra ce que Apple proposera au mois de septembre, mais là en tout cas en face la concurrence elle s'organise et plutôt bien avec le téléphone d'ailleurs. C'est ce qu'on espère. Je pense que le prix va être très important. Ce qui a marqué les esprits sur ce téléphone, je vais le dire rapide, il a un écran de 5,7 pouces, Super AMOLED Full HD. Il a un Snapdragon 820 donc dans le haut du panier. Et ce qui a fait l'effet d'annonce le plus dingue, c'est qu'on a 6 Go de RAM dans un téléphone.
Voilà. Ouais. Donc, Moi, c'est pas forcément ça qui m'a le plus marqué sur ce téléphone. Moi, ce qui m'a le plus marqué, parce que justement, je parlais de, c'est volontaire, hein, je parlais de l'iPhone parce que c'est les deux choses dont je vais évoquer là, c'est des choses dont on parle pour le prochain iPhone. C'est d'abord une capacité qui est possible jusqu'à 256 Go sur le modèle supérieur, et ça pourrait arriver sur l'iPhone. Et puis surtout, ils ont réussi un truc que je trouve génial sur ce Zenfone 3 Deluxe, c'est que les fameuses barres d'antenne que vous voyez à l'arrière des téléphones, et ben eux, elles y sont plus parce qu'ils ont réussi à les intégrer dans le chanfrein. Et là encore, ça fait partie des rumeurs qu'on prête à Apple pour le prochain iPhone. Donc ça pourrait être un concurrent direct, mais à un prix moins élevé. Et je vous ai fait passer l'autre jour, les garçons, un petit récapitulatif que nous a fait un de nos followers qui s'appelle François Pascaletto, que je salue au passage d'ailleurs, ainsi que son épouse, qui est un fanboy Apple et qui, au moment de renouveler, donc. Le smartphone pour son épouse, et bien sur les conseils de Mathieu et de moi-même, il a pris donc un Huawei P8 Lite parce que c'est ce que lui proposait son opérateur. Il a le choix entre ça ou un GG3. Ouais, mais vous avez pu constater comme moi que à un moment donné, Apple, il va falloir qu'ils se réveillent parce que même leur plus grand fanboy commence à se lasser un petit peu. Voilà. Bref, Sébastien, puisqu'on parle d'Apple justement, Asus a également présenté un magnifique ultra portable qui c'est donc le ZenBook 3, pardon, je m'y perds à force avec toutes ces références. Il est juste magnifique, hein, cet ordinateur. ZenBook. Ouais. 11, il y a le yoga aussi chez les Lenovo. Ils ont tous des noms un peu. Oui, voilà. Tout à fait, on est dans la même thématique. Bah, ils vont chercher sur Google. Hein, donc. À quand le Hangry de je sais pas. Marc, je sais pas. Peut-être chez HP, on verra. Kama Sutra. Ah, ouais. Juste, il y avait un Tai Chi, je crois. Cela dit, Sébastien, tu es censé nous présenter le ZenBook 3. Donc, 11,9 mm d'épaisseur au maximum. C'est 9% moins épais que le MacBook. Ouais. Waouh, incroyable. Il fait 910 grammes et le MacBook fait 920 grammes. Ça fait 10 grammes. Oui, mais enfin, bon, bref, ce qui est intéressant quand même sur ce ZenBook 3, c'est les processeurs. Voilà, c'est-à-dire que ils ont réussi à montrer avec cet ordinateur que même dans un i5, ordinateur i5 aussi fin, on peut bien mettre un Core i7 ou un Core exactement. i5. Exactement. Et avec mettre le ventilateur le plus fin du monde. Voilà, et on peut millimètre. Et on peut mettre Thunderbolt 3 aussi. Thunderbolt 3, exactement. Voilà. Est-ce qu'il va faire du bruit, à un moment donné. Le nôtre, il fait pas de bruit, monsieur. Ouais, bon, allez. Oui, non, c'est normal parce qu'on s'en sert pas. Il a un corps maigre, un corps M, pardon. Voilà. Il a aussi des super finitions gris quartz, bleu royal et rose. Rose tout court, ils ont dit. Rose tout court. D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est un très très bel engin. Et puis, ben, voilà, on espère voir arriver de nouveaux MacBook Pro. Attends, il y a quand même un petit truc. Oui. La résolution 1080p. Oui, ils ont raison. Par contre, c'est mieux que la webcam, c'est une meilleure résolution que la webcam du MacBook. Ça, voilà, mais ça, c'était pas compliqué en même temps. Ça, en tout cas, on verra ce qu'Apple va proposer peut-être dans deux semaines à WWDC, même si je pense qu'à mon avis, ça sera, faudra peut-être plutôt attendre la rentrée pour voir arriver la nouvelle gamme. 9 heures d'autonomie. Oui, d'accord, oui. Ça fait 2 heures de moins que le MacBook. Book. Et le prix, 999. Dollars. Voilà, ce qui est nettement moins qu'un MacBook hein, quand même. Ouais, le MacBook c'est 299 dollars. Pour à peu près. Le MacBook a plus de RAM. Le MacBook a 8 Go et le ZenBook a 4 Go. Sinon, même mémoire 256 pour les deux. D'accord. Et donc, ils ont également présenté un autre ordinateur, donc qui est le Transformer 3 Pro, ça c'est Julien qui va nous le présenter pour la simple et bonne raison, c'est que c'est quelque part un concurrent de la Surface Pro 4. Ouais, c'est marrant parce que ça me rappelle un peu Samsung au début, là, tu sais, quand ils faisaient des Galaxy ou c'était des iPhones avec des specs boostés. Mm-hmm. Donc là, ils nous ont fait la même chose, genre ouais, vas-y Michel, qu'est-ce que tu peux faire? Il nous faudrait la tablette exactement pareil que celle de Microsoft. Donc le mec a dit ok, attends, je te la fais un peu moins épaisse, donc du coup 6,9 mm.
Ensuite, je vais faire une meilleure résolution. Donc, ils ont boosté la résolution. Tu es à 2880 par 1920, donc 275 ppp. Donc là, franchement, tu peux regarder même des trucs en 4K, c'est de la folie, quoi. Et ils ont poussé le nombre de décibels, donc 96 dB contre 90 dB. Donc là, dans l'avion, tu peux vraiment merder mais tous tes voisins et voir les 10 rangées devant et derrière. Donc, c'est fantastique. Oh. Donc, bon, si, non, mais c'est un peu le truc sur le vitaminé, mais le vrai intérêt, c'est surtout que eux, ils ont eu la bonne idée de vendre le produit avec le clavier et le stylet, et tu commences à 999 $. Mmh. Donc là, évidemment, c'est intéressant. Allez, avec 16 gigas de RAM, pour ce prix-là, tu as l'USB-C, Thunderbolt 3, une sortie HDMI. Pas toutes les specs non plus. Ouais, non, mais. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, tu tapes quand même sur un produit qui est complet, à un prix vraiment compétitif, puisqu'il est vendu directement avec tous les accessoires, tout ce qu'il faut. C'est ce que j'allais dire, hein, c'est que de toute façon, c'est une des marques de fabrique d'Asus, hein, c'est d'avoir toujours proposé un très très bon rapport qualité-prix. C'est ça. Et en plus, qui sont solides, hein, parce que moi j'ai un PC, je ne l'ai pas sous la main, je ne vais pas vous montrer, mais moi, avant d'avoir mon Mac, j'ai un PC Asus, ça fait 10 ans que je l'ai, il tourne encore. Hein. Mmh. Un PC portable, hein, donc aussi, un PC portable qui, au bout de 10 ans, fonctionne encore. Bon, il rame, hein, je ne dis pas le contraire, mais de fait, il fonctionne encore. Par contre, Julien, déconne pas, il a quand même Windows 10 quand même. Non, mais il y a. Honnêtement, j'ai aucun reproche à faire parce que le produit est beau, les specs sont intéressantes, le prix est intéressant, il y a rien à lui reprocher. Ça fait plaisir de voir que du coup il y a des concurrents à la surface. Et bon, là, autant tu as la VR, tout ça, je m'interroge. Je pense qu'en revanche, ce type d'ordinateur hybride, ça va marcher. On repart pas là-dessus. J'y crois, tu vois, ça, j'y crois vraiment comme un truc d'ordinateur hybride. Voilà. Mais donc, il y a encore eu une autre annonce qui a été faite par Asus, et celle-là va permettre de faire une transition idéale entre ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir le Google Home, et ce qu'on va parler tout de suite après, c'est-à-dire le salon InnoRobot, puisque, alors pour le coup, je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'annonce de la part d'Asus, mais au Computex, Asus a présenté un petit robot qui s'appelle Zenvo. Bon voilà, maintenant j'ai qu'une envie, c'est de l'avoir chez moi, celui-là, évidemment, parce que bon, je suis un passionné de robots, mais celui-là il est quand même un rapport qualité-prix, encore une fois, Asus qui se démarque, parce que il fait à peu près tout ce que fait un robot qu'on connaît déjà très bien chez nous, qui est le Buddy de Bluefrog Robotics, qui était la star du salon InnoRobot dont on va reparler dans un instant, sauf qu'il va être encore un petit peu moins cher, et au final alors Mathieu, toi qui m'accompagnais au salon InnoRobot, on parlait tout à l'heure de Google Home. Est-ce que finalement ça pourrait pas être, enfin je parle de Zenvo, mais d'une manière générale, Buddy et d'autres robots de ce genre-là, être des concurrents de ces produits-là, puisqu'ils peuvent eux aussi finalement être comme des sortes de majordomes, mais en ayant en plus de ça, enfin une esthétique sympa et des interactions beaucoup plus importante et en plus ce qui ressort de ce salon InnoRobot où on a été quand on discute avec les constructeurs, ce qu'ils nous disent c'est qu'en général les gens n'ont pas peur, enfin, pas tous mais la plupart des gens non seulement n'ont pas peur des robots mais sont attirés et donnent plus facilement leur confiance à un robot, et que j'imagine plus finalement les gens parler à un robot plutôt que de parler à une boîte. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec toi, pardon, je voulais dire tout à fait et totalement en même temps, donc c'était compliqué. Et en gros, c'est l'avenir, et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, typiquement, quelqu'un comme Google n'y va pas. Pourquoi? Parce que ça reste encore très cher à produire, ces robots, ces bardés de technologie, c'est pas donné, mais une fois qu'à mon avis, les coûts ont bien descendu, on pourrait voir. Hein, pour le coup. Oui, mais je pense qu'encore un petit peu, tu vois, un truc encore très plus accessible, vraiment, un truc à 200-400 $, tu vois, il faut qu'ils puissent arriver à ce type de prix-là, pour peut-être voir des acteurs comme Google y aller. Il faut savoir que Buddy, je crois que ça appuie beaucoup sur la reconnaissance vocale de Google, puisque je me souviens quand tu l'appelles, il y a ce petit bruit qu'on entend quand on déclenche Google Now. Mmh. Donc du coup, oui,
un Google Assistant façon Buddy ou façon Zenbo, oui, tout à fait. Je confirme que Google s'intéresse à Buddy. Hein. Ils se sont rapprochés du fondateur quand même pour voir un petit peu ce qui se faisait de ce côté-là. Mais nous aussi, à l'école des fanboys, on s'est intéressé, on s'est rapproché du PDG. Nous aussi, voilà, exactement. Alors pour tout vous dire, normalement, on aurait dû aussi également avoir ce soir avec nous Rodolphe Hasselvander, qui est le PDG de Blue Frank Robotics et le papa de Buddy. Malheureusement, bon, c'est un homme qui est très très occupé, il n'a pas pu se libérer, ça sera peut-être qu'il aura l'occasion de venir un jour dans l'émission, parce qu'il avait accepté, hein, mais c'est juste que oui. Malheureusement, pour des raisons de calendrier, c'était pas possible. Et ce qui est même triste, c'est que tu avais dit, il a accepté, alors un mec comme ça doit tellement être occupé, c'est cool, il s'est libéré. Et au final, malheureusement, je crois que tu avais déjà vu dans la boule de cristal. C'est pas la reine des neiges, hein. T'aurais peut-être pu lui dire directement, ouais, mais je pense t'auras pas le temps. Laisse tomber, t'auras pas le temps. Ouais, non, mais en tout cas, c'était sympa déjà de pouvoir discuter avec lui. C'est bien très accessible. Je crois que Barbara, t'as eu aussi l'occasion de discuter avec lui à une robot. Ouais. Tout à fait, Exactement. Et donc, du coup, puisque donc, tu étais également présente à une robot, donc on l'a dit pour remettre aux news, qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ce salon? Alors justement, ce salon, c'était la première fois que je le faisais, donc pour cette année. Et il y a beaucoup de choses à dire en fait, parce qu'il y a toute la partie qui est très entreprise. Du coup, c'est pas forcément ce qui va toucher les personnes qui veulent s'intéresser au futur du robot, à savoir s'ils vont pouvoir l'accepter dans leur maison. Mais du coup, on a toujours les mêmes stars, quoi. Buddy, maintenant les gens commencent à le connaître, mais on s'y habitue. Donc moi je suis pas trop d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas peur des robots, parce qu'on a vu beaucoup de gens passer devant les robots justement dans les allées et pas oser forcément à leur parler. Donc moi il y a un truc qui m'a marqué en particulier, c'est que je me suis fait troller par un robot là-bas. Je me suis rapprochée du robot Evotion, je sais pas si vous l'avez vu. Oui. C'est Sheldon le robot, c'est un robot d'accueil, donc une espèce de majordome. Et en fait, je me suis retrouvée en face et il a commencé à m'interpeller. C'est lui qui m'a interpellée, qui m'a dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et au bout de Fais-moi ton numéro. Normal, voilà, le robot driver a mort. Donc moi, j'y suis allée parce que j'étais juste estomaquée. J'ai fait, mais c'est pas possible, il est trop intelligent ce robot. Le robot, je suis restée devant. Un mec. Mais non, mais c'était fou, quoi. Tu sais qu'il y a un humain derrière. Voilà, il y a un humain derrière, c'est pour ça. Et justement, c'est ça. Mais vous cassez ma chute, là. Ah. Pardon. Oh merde, on voulait pas que tu fasses à moi, tu vois. T'as vu, moi, Barbara, alors, vas-y, continue, s'il te plaît. Vas-y, Barbara, vas-y. Non, mais je mets trop longtemps à raconter, du coup, voilà. Mais en gros, je suis restée devant, il m'a fait chanter pour de vrai, hein. J'ai dansé avec lui, normal, tout va bien. La fille, elle est partie dans son délire. Jusqu'au moment où j'ai fait, non, mais... Non mais voilà, on se fait avoir quand on se dit c'est trop beau, ça, c'est trop intelligent, on veut y croire. Et du coup, bah forcément, oui, au bout d'un moment, je lui ai dit non, mais je sais qu'il y a quelqu'un derrière toi. Alors là, du coup, le robot se met à tourner sur lui-même, il montre qu'il n'y a personne derrière. Et finalement, je vois qu'il y a un mec derrière avec son petit micro et que c'est un robot qui est destiné à accueillir les gens dans des événements. Et il y a un animateur qui est présent et qui fait ce genre de petit tour rigolo aux personnes présentes, quoi. Et du coup, Barbara, elle est dégoûtée parce qu'elle doit boire un verre, mais avec le mec, maintenant, je devrais. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, ce qu'on a dit juste avant, là, pour le fait que les gens, je disais tout à l'heure, en tout cas, certains n'ont pas peur... des robots. Je m'appuie sur ce que une personne qu'on a rencontrée avec Mathieu nous a dit. En fait, c'est Caroline Hogg de chez Happy qui fait des robots justement aussi. C'est plutôt des robots d'accueil et qui nous disait que voilà, par exemple, parmi ses clients, elle avait notamment la grande distribution qui se sert de ces robots justement pour aller voir les gens et leur poser des questions des dossiers de satisfaction un peu et que les gens répondaient beaucoup plus facilement à ces questionnaires quand c'est avec le robot que si ils envoient un de leurs employés pour aller demander les mêmes choses aux gens, tu vois. Donc c'est ce qui montre bien que je dis pas que les robots ça fait pas peur à certaines personnes, mais il y a aussi quand même beaucoup de gens qui sont attirés d'une certaine manière. Ça attire quand même beaucoup. Oui, non, c'est sûr qu'on est attiré, mais c'est parce qu'on a envie de croire qu'ils sont intelligents surtout. Mais après ça dépend de la présentation du robot, je pense. Si tu vas face à un robot comme Nao, ils sont mignons comme tout, t'as envie de lui parler, c'est sûr. Mais une machine vraiment basique qui va ressembler à un ordinateur et qui va te parler, je suis pas sûr que ça enthousiasme. Je sais pas, parce que tu vois, nous on y était, et pour raconter une anecdote avec Teddy, à un moment, il y avait un robot qui traînait, qui était pas super top,
Et en fait, il proposait de faire une photo et un selfie. Donc, enfin, photo avec. Voilà. Et moi, j'ai dit à Teddy, viens, on va faire la photo. Il me dit, oh, on n'a pas le temps. Je dis, non, écoute, c'est gratuit la photo. Il me dit, bon, ok, bon, on y va. Alors, ça, c'est le budget école des fanboys, tu vois. Ça, c'est bien. Il faut placer le mot gratuit. Et là, on discute. Et du c'est coup, meilleur quand fait, c'est gratuit, quoi. Bah, je peux te dire que c'est meilleur parce qu'à tel point qu'il y avait un attroupement de gens. Et les gens ne lâchaient pas l'affaire. Ils ont fait leurs photos, ils ont reçu leurs photos, ils sont restés cloîtrés dans le truc. Avec Teddy, on est resté comme des cons. On a dit, ouais, bon, bah, on y va parce que ça prend la tête. Je sais pas si tu te souviens. Pour raconter l'anecdote jusqu'au bout, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait plus personne autour de ce robot. Je dis, c'est bizarre. Et donc, on se rapproche de ce robot. Et juste avant, il y a une jeune fille qui s'est approchée de lui. Et visiblement, le truc, il était éteint. Je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi. Et elle, mais en l'espace de 30 secondes, elle t'a remis le truc, elle te l'a hacké, je sais pas ce qu'elle a foutu. Oui, parce qu'il y avait sa copine qui disait, il y en a une qui disait, non, on touche pas, il a plus de batterie. Et l'autre, elle dit, t'en fous de ta batterie, moi, tu vas voir. Et le truc, t'as l'air en rien, voilà. En rien de compte, t'as l'air mis en route. Pas d'empathie pour les robots. Hein. Ah, je peux te dire. Plus aucune la batterie, je peux te dire. Ah ben, c'est vrai qu'elle, elle nous a quand même bien fait rire. Mais simplement. Pour continuer sur ce dossier sur les robots, on parlait de Buddy ou de Zenbo. Donc Zenbo, c'est un robot qui va être proposé aux alentours de $600. Faut savoir quand même qu'il y a encore quelques années de cela, c'est un robot de ce genre-là, comme on a pu connaître avec Nao, ça coûte $7000. Donc ce qui veut dire quand même qu'il y a quand même une démocratisation qui est en train de se faire au niveau du prix, sachant que Buddy fait beaucoup plus de choses que ce que peut faire Nao. Enfin, après Nao, vous pouvez le programmer et il aura des possibilités très très grandes aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce rythme là, tu parlais tout à l'heure de Mathieu d'un prix autour de 300 ou $400, euros, peu importe, bah, je pense qu'on va y arriver à plus ou moins à court terme. Et ça pourrait amener peut-être une adoption massive de ce genre d'appareil. En tout cas, il y a des gens qui y croient. Moi, j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une projection privée, j'ai eu beaucoup de chance, d'un documentaire qui s'appelle « Ma vie avec un robot ». Donc, je crois que ce documentaire est multi-rediffusé sur Planète Plus, donc si vous voulez le voir, faut vous renseigner. Et donc, il y avait Thibaut Sève, le réalisateur de ce documentaire, qui était là, et qui j'ai eu l'occasion de discuter à la fin de la projection. Et lui, il me disait, alors, faut savoir que lui, à la base, son métier, c'est d'être réalisateur, donc il ne connaissait strictement rien à la robotique avant de faire ce documentaire, c'était pas du tout son domaine, il en avait rien à foutre. Mais bon, là, dans le cadre du boulot, il est obligé de se renseigner sur ce domaine-là, il s'y est intéressé. Et au final, il a, donc, je crois, ça a lui plus de 6 mois de tournage pour faire ce documentaire. Et maintenant, c'est devenu quelqu'un de très calé en matière de robotique. Et moi, il m'a dit carrément, alors, ça n'engage que lui, mais qu'il était convaincu que c'était la prochaine révolution technologique. Ouais, on appelle ça d'ailleurs même une rupture technologique et on tape sur 5-10 ans, en fait. Voilà, oui. C'est ça. Et qu'on en est qu'à l'aube pour l'instant. Oui, Julien. Il faut séparer deux choses dans les robots. Il y aura effectivement, pour le moment, le premier robot qui va arriver à la maison, ça va être ça. L'assistant, le petit assistant personnel façon Buddy et compagnie, qui permettra de surveiller sa maison, de jouer un petit peu avec les... Il y a ça, et il y a aussi ce que j'appellerais moi, entre guillemets, les robots jouets, comme on a pu voir le Alpha 1S. C'est-à-dire que des gamins peuvent, tu vois, juste avec une application, faire danser un robot, etc. Je suis sûr que ça, à Noël, ça va cartonner parce que ça se démocratise aussi beaucoup. Voilà. Ouais. Coup, c'est bien. Mais je pense juste pour compléter qu'il y aura sans doute encore un robot qu'on n'a pas évoqué. Mais moi, j'avais discuté avec une société qui fait de la robotique industrielle. Mais tu vois, donc ils ont un bras qui avec une main et tout. C'est dans ma dernière vidéo que j'ai sorti aujourd'hui. Ça. Voilà, et en fait c'était très drôle parce que en me parlant je l'avais un peu détendu le mec et tout, et à un moment on se parlait un peu franchement et il me disait mais tu vois ce robot là pour l'instant il fait des trucs industriels, mais demain on peut l'imaginer dans une cuisine en train de préparer mettre les ingrédients dans les trucs, tu vois, battre des œufs, tu vois. Et ça, il y aura aussi ce truc là apparemment Sébastien a pas l'air d'accord. Forcément, vu qu'il est cuisinier, remplacé par un robot, ça m'intéresse. Ma mère est femme de ménage aussi, Seb, c'est le même problème. Avec l'impression 3D aussi, on peut obtenir des choses assez sympas. Pouvoir imprimer son robot à domicile et acheter juste les cerveaux moteurs et les composants à part, ce serait cool, quoi. Oui, d'ailleurs, l'impression 3D qui était aussi à l'honneur de ce salon InnoRobot, parce que ça fait un peu... T'as une société, justement, qui montrait son robot, qui était open source et que tu pouvais imprimer à la maison. Bon, après, ça coûte quand même cher, mais ça reste possible, quoi.
Alors, on a vu beaucoup d'autres choses sur ce salon InnoRobot, mais malheureusement, là, on va être pris par le temps, donc on ne pourra pas tout évoquer. Bon, ça va pas finir. Hein. Dommage, parce que... Oui, Julien? Non, tu m'as dit, tu me laisseras pas finir. Ah oui, vas-y, t'es pas... Oui, c'est vrai, t'as pas terminé. Non, je disais juste qu'il y avait ça qui allait arriver chez nous, dans un, qui va être dans notre quotidien, effectivement, ce genre de choses. Mais la robotique, en réalité, c'est la robotique industrielle. Et c'est ça qui va vraiment révolutionner le monde. Mais c'est quelque chose que nous, on ne va pas voir tout de suite. De toute façon, c'est quelque chose qui révolutionne déjà le monde. Là, il n'y a qu'à Les voir. annonces récentes de Foxconn ou de Adidas, par exemple. Exactement. Tu vois, en Chine, les usines, maintenant, bah, effectivement, remplacent les hommes par des robots. Et bon, d'un certain côté, ça fait peur. D'un autre côté, pour faire des tâches de merde, c'est pas plus mal Ouais, que d'appeler l'homme. toutes les tâches répétitives, le Voilà. robot. C'est ça. Ce qui est, alors par exemple, j'ai vu que Seb avait levé le doigt, donc je vais lui donner la parole dans un tout petit instant, mais pour rebondir sur le documentaire que je vous évoquais avant, Ma vie avec un robot, il y a un autre usage qui était, auquel moi je n'avais pas pensé, mais parce qu'en fait, une partie de ce reportage, de ce documentaire qui a été tourné au Japon, qui est un pays qui est, je pense, le plus fanatique de robots, Ouais, c'est pro-robot là-bas. et en fait, au Japon, il y a eu une polémique en fait suite à la catastrophe de Fukushima où justement en fait certains se sont un petit peu exaspérés de voir que avec tous les progrès qui ont été faits dans la robotique qu'on ne puisse pas en être encore aujourd'hui dans ce genre de situation à renvoyer des robots Dans les réacteurs, plutôt que des hommes et vraisemblablement ben il y a Aldébaran hein, donc maintenant on doit dire SoftBank Robotics Europe, eh bien, ça fait partie des dossiers sur lesquels ils travaillent, donc à voir ce que ça donnera par rapport au futur. Et puis après, oui, Seb, tu voulais dire? en fait, je montrais juste mon copain Liam. Liam, Ah oui, oui, le robot de chez Apple, effectivement. c'est vrai. Tout à J'ai vu de fait. même à une robot. Je voulais juste dire que Buddy ou Zen, comment? Zenbo, parce qu'il est beau. Je trouve qu'il ressemble vraiment à Wally. Oui, Et c'est Wally, ça me fait penser à Steve. Et salut Steve. vrai. Merci. Voilà. C'est énorme. Il y a plein d'autres applications qu'on vous imaginez pas Non, dans. si, il y en a une que tu dois évoquer, que tu m'as parlé dans le reportage, notamment la partie santé. Voilà, c'est ça. Bah, moi, j'ai rencontré notamment des gens, donc. Le nom de la boîte, je vais vous le retrouver. C'est une boîte suisse d'ailleurs, tiens, qui s'appelle Avatarion. Ah oui, Et je les ai vus aussi, ouais. voilà. Et Avatarion, bon, ils font différentes choses, mais ils font notamment un truc qui est vachement bien et qui forcément moi m'a beaucoup parlé, compte tenu de l'association que je suis en train de monter. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont avec le robot Nao. Ils ont deux tablettes, enfin des tablettes Samsung qui sont reliées à ce robot. Une qui est, on va dire entre guillemets, le moniteur, et les autres, ce sont qui se destinent pour des enfants qui sont justement en long séjour dans les services de cancérologie pédiatrique. Donc forcément, voilà, ça m'a beaucoup touché. Également à destination des enfants autistes. Et voilà, disons que c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure que. Les robots ont ce pouvoir-là de capter l'attention, notamment, moi, il m'a donné des exemples avec des enfants autistes qui n'écoutaient pas forcément leurs profs ou leurs parents, mais qui écoutaient le robot, par exemple. Donc, il y a tout un tas d'applications intéressantes qui sont faites pour ce public-là, et donc je pense que j'allais les rencontrer d'ici quelques temps en Suisse, là-bas. Mais voilà, donc, et puis il y a plein d'autres, vraiment, dans le domaine de la santé, moi j'ai vu tout un tas de choses. C'est dommage parce que là on est pris par le temps, mais il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est un salon qui est, je crois, Mathieu, c'était la première fois toi que tu le découvrais, tu as été agréablement surpris. Et agréablement surpris, justement, j'ai deux choses à voir avec toi rapidement, ça va être rapide. Vas-y. Alors, juste pour qu'on synthétise ce qu'on a dit, la robotique actuellement, on peut la voir dans le service, dans l'éducation, la santé et dans l'industriel, le travail. Je pense que c'est les quatre axes majeurs qu'on a pu voir même dans le salon. Est-ce que vous êtes d'accord déjà? Où est-ce que vous en voyez d'autres auxquels j'aurais pas pensé? Non, Ah, mais... si, dans l'entertainment, ce qui commence maintenant, il y aura les combats de robots Ouais. et ce genre de choses, tu vois. Ouais, on en a D'accord. vu d'ailleurs. Oui, c'est vrai, on en a vu. Le service à la personne, les personnes âgées. Ouais, les personnes Ouais, âgées. c'est vrai aussi. Au Japon, ils sont dans les maisons de retraite, les robots, maintenant. L'armée aussi, la défense.
Et Et puis, du coup, ça rejoint toujours un petit peu la santé, mais moi, il y a un truc qui m'étonne à chaque fois quand je vais à InnoRobot, c'est ces exosquelettes qui permettent à des personnes tétraplégiques de pouvoir se déplacer. Ça, je trouve ça génial. Enfin, rien que pour ça, quoi, la robotique, elle a quand même des côtés qui sont vraiment super. Voilà. Et Et une t'as vu dernière les mains petite chose. imprimées en 3D aussi, Ouais. désolé. Ouais. Une dernière petite chose, parce que là c'est important, et c'est moi qui vais endosser le rôle de l'animateur pour une fois, et je vais te poser une question, Teddy, parce que c'est Oui. important. Toi qui as justement plus souvent été que nous au salon de InnoRobot, par exemple, est-ce que toi tu as vu une vraie évolution, ou est-ce que tu sens qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution d'année en année, que ça va être plus long? Par exemple, tu sais, les smartphones, on voit ça évoluer très très vite. Est-ce que tu penses que ça va prendre le même chemin, ou que ça va quand même être plus long parce que c'est plus difficile? Alors, Ton oui, moi je trouve qu'il sentiment. y a une vraie évolution. Rapidement, s'il te plaît, en quelques mots. Voilà. Non, mais j'étais l'an dernier déjà à InnoRobot à Lyon, et rien qu'en un an, enfin, j'ai pas du tout vu la même chose. C'est-à-dire que l'an dernier à Lyon, c'était quand même extrêmement basé sur l'industriel et très peu sur le grand public. Je crois que l'an dernier, dans les robots grand public, à part Buddy qui avait été présenté justement pour la première fois à cette occasion, ça devait être à peu près le seul. Là, il y en avait quand même beaucoup plus. Il y avait donc, comme je disais tout à l'heure, le Alpha 1S, je sais plus quelle boîte qui fait ça, mais il y en avait plein d'autres, quoi. Donc, C'est Ubtech. voilà, Ubitech, exactement, merci Barbara. Et donc, et puis surtout, c'est comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la démocratisation par le prix, parce que on voit que les prix sont vraiment en train de descendre et d'arriver. Enfin, c'est pas plus cher qu'un smartphone, quoi, pratiquement. Les applications sont de plus en plus nombreuses. Donc, je pense que c'est un sujet dont on aura vraiment l'occasion de reparler dans les mois, les années à venir, à mon avis. J'y crois beaucoup, en tout cas, plus qu'à la VR, personnellement. Enfin, Bah. bref. Ok. Bah, merci Teddy pour ta réponse. J'aurais préféré que ce soit un peu plus court, mais on l'a compris, c'est un salon qui comptera pour le grand public. Voilà, donc on va juste avant de se dire au revoir, conclure sur avec Julien sur voilà des annonces qui ont été faites du côté de la branche mobile de Microsoft. Donc alors, parce qu'il faut apporter une précision, parce que ça a été un peu le catastrophisme dans les titres sur certains sites internet, etc., où on a l'impression que c'était fini, etc. Non, c'est pas fini, c'est juste les Lumia qui sont terminés, mais la branche mobile de Windows, elle existe encore, même si, bon, pour l'instant, il y a de moins en moins d'employés qui y travaillent, mais on devrait en voir arriver notamment des Surface Phone peut-être l'an prochain, et une gamme un peu moins large, mais plus axée vers les professionnels. Oui, alors bon, je te glisse juste hein, pour finir avec les robots parce que c'était plus attrayant, mais Toyota, a priori, a racheté aujourd'hui, rachète la Oui, branche. Bullfrog Robotics, qui était, pas Bullfrog, pardon, Boston Robotics, qui était Voilà. la filiale robotique de Google. De Google. Voilà. Donc Il se voilà, compte en Google, hein. c'est peut-être pour Fukushima. Donc alors, écoute, ça sent quand même, faut le dire, un peu le sapin, malgré tout. Donc oui, ils gardent la branche mobile. Oui, on parle d'un Surface Phone de plus en plus. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui va être amené à exister, mais je pense que ça va être un produit, il y en aura un parent, quoi. À mon avis, on peut quand même dire que ça sent vraiment le sapin pour la branche mobile. La stratégie, moi j'ai l'impression, hein, on conclut vraiment là-dessus, mais la stratégie, j'ai l'impression, de Microsoft, c'est dans le mobile, finalement, c'est peut-être plus d'être présent via ses services Exactement. sous Android et sur iOS, puisqu'on a plus tard hier, je crois, où ils ont signé, au moment où on enregistre cette émission, ils ont signé, je crois, un accord avec Xiaomi. Donc, il y a, je crois, c'était combien, 74e ou 75e constructeur déjà, hein, qui a signé avec eux pour intégrer des services Microsoft. Oui, Mathieu? Alors, juste pour conclure, parce que moi, en fait, quand j'ai vu un peu l'hécatombe des articles et qu'en plus l'annonce venait de tomber, j'ai appelé Xavier. Tu sais, maintenant, on est potes avec Xavier Désor maintenant. Alors. Donc, en fait, à la base, je voulais l'appeler pour qu'il vienne participer à une de mes émissions, enfin, notamment Studio Mobile, pour qu'il en glisse un mot, Il était parce qu'il hier. était très remonté contre les articles qui avaient été écrits. Et donc, lui, il parle de rationalisation. Je rejoins un peu quand même le scepticisme parce que on sentait quand même que même lui, il n'est pas en train de dire que tout va bien. Voilà. Et du coup, on peut se demander si les Surface Phone sera pas le dernier barreau d'honneur. Après, pour te donner vraiment une piste vraie, ou là où je te rejoins, c'est quand même le monde pro, parce que moi, je suis quand même dans une société qui est cotée au CAC 40, une très grosse boîte, hein, voilà, du groupe Vinci, on peut le dire. Et C'est chez l'Oxam, nous, ça, c'est le. non, c'est Vinci, les parkings, tout ça. Moi, je suis Oui, dans la branche la BTP, construction, tout à bon. fait.
C'est dans le BTP, on ne se refait pas. Mais chez nous, il y a une adoption massive de Windows Phone, de Windows Mobile. Pourquoi? Parce que d'une, les gens n'ont pas envie de jouer à Angry Birds sur leur téléphone, voilà, parce qu'il n'y est pas. Et de deux, parce que l'intégration dans un réseau entreprise, tu vois, avec tout ce qui est les domaines, pour ceux qui s'y connaissent un peu en Active Directory, mais tout ce qui est dans le réseau interne d'entreprise, c'est très simple à intégrer. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ne sont pas totalement morts. Et Xavier, en tout cas, avait l'air très remonté. Il disait que c'était un peu n'importe quoi ce qu'il avait lu. Donc, faut quand même se méfier entre, pas avant de la peau de l'ours, avant de l'avoir vraiment tué. Je pense aussi, ça avait été dit, que, en fait, la rachat de... Parce que là, c'est trop loin. Mais c'est important de le dire. En fait, pourquoi aussi il y a eu... Tous les gens de chez Lumia ont été gentiment remerciés. Il faut se rappeler que c'était une vision de Steve Ballmer qui a voulu tout faire contre tout le monde, ce rachat. Et Satya Nadella, que maintenant il était au pouvoir, je pense que c'était déjà dans la ligne de conduite, quoi. Et que le fait qu'ils ont rien réussi, qu'ils n'ont pas réussi à dépasser les objectifs, fait que bah, pour lui, c'était clair et net qu'il fallait supprimer ce qui devait déjà être fait depuis un moment. Bon, donc du coup, pour l'instant, le comptable, on ne lui fait pas encore signer la lettre de licenciement pour Julien, on attend encore un peu. Non, c'est vrai. Il y a Angry Birds sur Windows Phone. Donc il y a merde. On va te garder encore un peu, là. C'est le mot de la fin, les garçons, parce que là, cette fois, je ne vous laisserai pas en dire davantage. Avant de se quitter, on va dire merci, comme on le fait à chaque fois, à notre équipe graphique, donc à ton cousin, donc Stéphane Dos Santos, mais également à Thomas, à Valentin. On va remercier Greg du JT Geek, notre soutien, et remercier celui qui fait toujours un travail aussi admirable, c'est notre directeur artistique et community manager, Happy Nico. Et puis avant de me tourner vers chacun d'entre vous, on va, honneur aux dames, en l'occurrence à la demoiselle, dire un grand grand merci à Barbara. C'était un plaisir de t'avoir avec nous ce soir pour une première, il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs. Ça va bien. Merci de m'avoir invité. Et on va donc également dire au revoir à Julien qui va donc faire aussi le montage de cette émission, mon petit Juju. Oui, tu vas en chier, mon ami. Oui, et en plus, bon, tu sais que tu as remarqué sur Twitter qu'on est déjà très attendu. Donc... Ça tombe pas au bon moment. Oui, mais bon, on essaye de le faire quand même avant le mois de juillet, parce qu'on a déjà pas été là au mois de mai. Donc... Oui, t'en fais pas. En tout cas, on a fait ce qu'il te plaît. Vas-y, Julien. Un grand merci à Barbara, parce que c'était très cool. On n'a pas laissé beaucoup parler. Là, c'était pas une émission facile, donc j'espère qu'elle pourra revenir quand même. Bah écoute, on verra, le contact est pris en tout cas. Donc. Voilà. Je prenais mes marques et ça s'est bien passé pour moi, donc merci. Bon, merci. Faut savoir que j'étais un peu flippé quand même au début, hein, quand je lui ai proposé, donc bon, ça va finalement, tu vois. Mais, pas qu'au début, toujours maintenant, mais ça va. Ça, c'est pas... Je le vis bien. Tu vois, je t'avais dit que ça se passerait bien, que ça ferait pas mal. Donc, on va également... Oui, pardon Julien, tu veux encore quelque chose dire, peut-être? Écoute, non, je souhaite du soleil à tout le monde, c'est tout. En tout cas, beaucoup à moi. C'est pas un objectif. S'il vous plaît. Tu sais, il y avait un truc, un petit robot pour, en fait, qui nettoie tout seul les barbecues. Je pense qu'en fait, ça, cette année, ils vont pas en vendre en France. Hein, je vais en acheter un robot. Mais sinon, il n'y a pas besoin de soleil dans la réalité virtuelle. Ok, donc là on va vite partir parce que si on peut pas faire cette fois, je sens qu'Amélie on y est encore. Donc on va dire au revoir à notre ami Mister Perrier, à Seb. Prochaine vidéo sur YouTube, c'est bientôt. C'est bientôt, ouais. Sur coup, c'est quoi? Bah, d'abord c'est Viagra. D'abord ce sera l'Exo Plus. Là, j'ai bientôt fini, mais j'en ai un peu chier. Ah oui, celui dont tu nous avais parlé il y a un mois et demi, c'est ça? Avec le drone, ouais. Et puis ce petit Viagra. D'accord. Qui s'appelle Flic, et je tiens à passer un coucou à toutes les forces de l'ordre françaises qui ont bien du courage. Et en fait, tu peux programmer ce petit bouton, tu vois, tu le programmes avec ton smartphone, c'est Bluetooth, et tu peux lui donner n'importe quelle fonction. Donc par exemple, tu veux éteindre toutes les lumières chez toi, tu le programmes comme ça, tu peux programmer une tape de tape ou une tape profonde. Et là, je vais tester, on va tester. Et est-ce que ça éteint la visioconférence? Ça peut éteindre la visioconférence, oui. Super, alors. Vous êtes prêts? Vas-y. Que penses-tu de Google Nouille? Google, intéressant. Ah, intéressant. Voilà. Bon, bah écoute. Bon, une petite pipe et au lit. D'accord. Juste avant de dire au revoir à Mathieu, m'associe un peu à ce que tu as dit tout à l'heure.
par rapport aux forces de l'ordre, parce que voilà, j'ai poussé un petit coup de gueule par rapport à ça. C'est-à-dire que tout le monde est bien content de les trouver quand il y a des attentats. Donc aller leur taper sur la gueule après, je trouve ça très, enfin, je trouve ça très moyen. C'est Voilà, mieux. simplement. Oui, enfin, quand Ils ils sont tuent. là, tout le temps, ils sont là pour nous aider, ils sont pas là pour ben voilà. Exactement, ouais. Oui. Quand Bon. ils te tapent dessus, tu dis pas forcément ça. Bon. En Oui, c'est général, vrai. Oui. si tu restes dans les clous, on te tape pas dessus, Julien. T'as raison. Mathieu, donc, T'as pas fait de manif. Bon. continue sur rester connecté à ta chaîne YouTube et puis également donc dans les émissions Andromag et le studio mobile sur Watch TV. Sur rester connecté, donc il y a eu une vidéo qui était mise en ligne aujourd'hui, enfin au moment d'enregistrer l'émission, donc c'était sur InnoRobot, c'était la deuxième d'ailleurs. Il y en a d'autres encore, je crois. D'autres encore, ouais, parce que du coup j'ai un peu regardé ce qui se passait. Donc là j'ai montré l'aspect industriel. Je crois que j'en ai une sur le côté éducatif, toi-même tu sais. Parce qu'on avait discuté avec ce monsieur pour ton association. J'étais pas peu fier de l'avoir trouvé, ce monsieur, très sympa. D'ailleurs, ouais, je remercie Mathieu qui était un VRP de luxe pour moi, pour la future association, les Lutins du Phénix, qui m'a beaucoup Toujours. aidé. Oui, c'est On a vrai. beaucoup avancé d'ailleurs, du coup, pendant ce salon InnoRobot, donc c'était cool. Mais ne t'enflamme pas trop, je t'enverrai la facture. Donc, comme ça, je suis flic. Hein? T'aurais pu le dire quand même, je suis flic, quoi. Mais sinon, je remercie Barbara. Franchement, un pedigree impressionnant. Non, c'est vrai, franchement, C'est c'est la crinière impressionnant. qui te fait dire Non, ça. mais non, mais je te jure, non, mais en fait, j'explique. Moi, les gars sont là pour en témoigner rapidement. J'aurais aimé me reconvertir en tant que journaliste. Et je sais que c'est un monde qui J'ai n'est pas cru en tant facile. que femme. Ouais, ça, Ah, peut-être. Mais c'est ça, j'en libre parle à pas. toi, hein. Ouais, et après, je vois que c'est pas un domaine facile parce que je trouve que vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur et parfois par rapport au travail fourni. Alors, ils sont gentils, les journalistes, quand ils disent, ouais, mais on fait pas ça pour l'argent. Oui, sauf qu'il faut payer les factures parce que les factures, elles font ça pour l'argent. Donc, voilà. Donc, un grand bravo. Franchement, ça a été un vrai plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser un peu plus Bah souvent, un avec peu plus plaisir, longtemps. on s'est croisés une fois pour l'instant, C'est alors. vrai, c'est vrai. Et du coup, tu m'avais juste dit MT. Donc, quand je vois la liste, bravo. Et puis, bravo à Teddy aussi qui a rondement mené une belle opération pour son association. Et il sait que Merci. le VRP Deluxe, il sera toujours à côté de lui quand il Je rajouterai une faudra, seconde. voilà, quand il faudra agiter les promos, les placements de produits et tout ce qui va avec. Mais voilà. Et donc, effectivement, pour ce qui me concerne, la saison elle est terminée sur Watch pour moi. C'était ma dernière apparition dans iWeek, une apparition éclair d'ailleurs. Donc, c'est essentiel, c'est de participer. Même les bonnes annonces, ça dure plus longtemps. Voilà. Et puis donc, concernant MightyDiland, bon, le site pour l'instant, il n'y a plus vraiment d'activité, mais par contre, il y a une chaîne Vimeo. J'ai pas dit une chaîne YouTube, mais il y a une chaîne Vimeo qui a été lancée. Allez voir dessus ce que j'y fais. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais c'est voilà. C'est le début, ça. Ça, c'est le début, ça. Non, mais c'est surtout en fait le choix de Vimeo, c'est simplement parce que pour aller voir ce que j'y fais, vous comprendrez pourquoi c'est pas sur YouTube, parce que sur YouTube ça serait striké direct. Voilà. Donc et puis évidemment, il y a toujours en cours de création cette association, les Lutins du Phénix, si tout va bien, sera lancée à la rentrée à destination des enfants malades. Oui, Julien, je te sens, tu vois, faire quelque chose. Non, non, mais les autres vidéos, non, ah non, c'est privé, ça tu C'est l'as pas. privé, c'est sur Hangout. Ouais, C'est ça. non, tu sais. Ouais, c'est privé, t'as mis sur Google Drive, donc bon, Bon, enfin privé. bref, donc pour ceux que ça Merci intéresse, qui, quoi. sur Vimeo, vous tapez Mike et Dylan dans un mot et vous trouverez ce que c'est. Voilà. Et donc, on va se retrouver au mois de juin, donc d'ici 2-3 semaines. On va attendre que la WWDC soit passée et en même temps, dans le même pays, il y aura un autre événement. Donc, bon, ceux qui suivent vraiment, qui sont des geeks, ils auront compris de quoi on parle. Les autres, vous découvrirez ça. Donc dans 2-3 semaines, je sais que c'est une émission à laquelle Julien se réjouit de participer, de même que Sébastien. Avec Mathieu, nous on a un peu plus de mal, mais on va se débrouiller, enfin, surtout moi. Et voilà. On est peut-être très content d'être avec vous, de vous retrouver après un petit mois et demi d'absence. On N'hésitez pas à vous abonner et à fait partager parce qu'on ne le un dit petit pas point, assez. et voilà. Et petite chose aussi que je voulais préciser avant de terminer, c'est que vous pouvez également, grâce au travail fantastique réalisé par Mathieu d'un côté et notre directeur artistique de l'autre, Nicolas, c'est nous retrouver sur iTunes, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast si vous voulez nous écouter en audio quand vous faites votre douche, quand vous faites votre sport ou quand vous êtes en voiture, peu importe. Et bien voilà, sachez que c'est possible. Donc
On mettra les liens dans la description de cette vidéo. Voilà, on vous donne rendez-vous donc très vite, hein, d'ici 2-3 semaines. D'ici là, portez-vous bien, on vous fait plein de bisous. Ciao à tous, bye bye. Bye bye. Bye bye. Salut.